La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème politique du médicament et pénurie. La conférence des présidents a décidé d'organiser ce débat en deux parties. Dans un premier temps, nous entendrons les orateurs des groupes, puis le gouvernement. Nous procéderons ensuite à une séquence de questions-réponses. Nous commencerons par Madame Christine Pires-Beaune pour le groupe socialiste apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le groupe socialiste et apparenté a décidé de rouvrir un débat sur la pénurie de médicaments. Je dis bien rouvrir. Pourquoi ? 13 décembre 2017, nous avons adressé un premier courrier à la ministre de la Santé qui s'était contentée d'un accusé de réception. Avril 2018, nous avons de nouveau interrogé le gouvernement sans effet. 19 février 2019, à l'occasion d'une question orale, le secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé a reconnu le problème, sans toutefois apporter de solution. 19 juin 2019, nous avons interrogé lors des QAG le Premier ministre, qui là encore n'a pas plus précisé ses intentions. 20 mai 2020, le groupe socialiste a choisi de débattre de la pénurie des médicaments dans le cadre de la semaine de contrôle du gouvernement. Là encore, aucune réponse concrète n'avait été apportée au cours de ce débat, auquel ni le ministre de la Santé ni le secrétaire d'État auprès du ministre n'avaient pris part derrière. D'ailleurs, merci Monsieur le ministre d'être là. Si les ruptures de stock d'amoxicilline et de paracétamol ont occupé de nouveau l'actualité cet hiver, cette pénurie de médicaments ne date pas d'hier. Déjà, au printemps 2020, en pleine vague de l'épidémie de Covid-19, de très fortes tensions de produits de sédation utilisés pour les patients en réa ou en anesthésie avaient été révélées. Les ruptures de stock de paracétamol et d'amoxicilline ne sont en réalité que l'arbre qui cache la forêt. Les problèmes d'approvisionnement ne cessent de croître depuis des années et ils concernent de plus en plus les médicaments importants, dits d'intérêt thérapeutique majeur, qui ne disposent pas d'alternatives appropriées, ainsi que des dispositifs médicaux utilisés dans les services de réa de soins critiques. Ainsi, en 10 ans, les signalements de rupture à l'Agence nationale de sécurité du médicament ont été multipliés par 10. En 2017, ce sont 538 signalements. En 2021, 2160, soit une augmentation de plus de 300% en seulement 4 ans. Et pour 2022, plus de 3000 médicaments auraient été signalés en situation de rupture ou risque de rupture. Tous nos territoires, sans exception, sont concernés par ces ruptures de stock ou tensions d'approvisionnement. Les conséquences de ces pénuries sont dramatiques en premier lieu pour les malades. En septembre 2020, une étude de la Ligue contre le cancer alertait sur les pertes de chances que peuvent provoquer ces manques pour les patients. Une autre étude, publiée en 2019 par l'association France Asso Santé, dévoilait que 45% des personnes confrontées à ces pénuries ont été contraintes de reporter leur traitement, de le modifier, voire d'y renoncer ou de l'arrêter complètement. Les pénuries impactent également le travail des soignants et participent sans aucun doute à la lassitude et au découragement de nombre d'entre eux. Elles bouleversent le travail des pharmaciens, hospitaliers ou d'officines qui consacrent de plus en plus de temps à la gestion de ces pénuries au détriment d'autres tâches orientées sur les patients. 50% des pharmaciens hospitaliers estiment le temps passé à la gestion des pénuries à 4 heures par semaine, supérieur à 6 heures pour 35% d'entre eux. 95% jugent l'action des tutelles insuffisante, voire très insuffisante, et font état d'un profond sentiment d'abandon. Car justement, parce que cette crise ne date pas d'hier, nous ne comprenons pas l'attentisme des gouvernements ces dernières années, alors que tous les voyants sont au rouge et que la situation s'aggrave un peu plus chaque année. Les causes de ces pénuries sont pourtant connues. Elles sont dues notamment à l'extrême dépendance de notre pays en matière sanitaire. Depuis 30 ans, les délocalisations et la sous-traitance à l'étranger ont détruit en grande partie, pour ne pas dire totalement, l'indépendance sanitaire de la France. Je rappelle à ce titre que le dernier atelier français de production de paracétamol a été délocalisé en 2008. Comme le soulignait en 2017 l'Agence européenne du médicament, je cite, « près de 40% des médicaments finis commercialisés dans l'UE proviennent de pays tiers
et 80% des fabricants de substances pharmaceutiques actives utilisées pour des médicaments disponibles en Europe sont situés en dehors de l'Union, et plus précisément en Chine et en Inde. Un exemple parmi tant d'autres, celui du midazolam, hypnotique utilisé dans les services de réa, on recense 8 producteurs de principes actifs dans le monde, tous situés en Inde. Les délocalisations n'ont pas seulement détruit les emplois et les savoir-faire, elles ont profondément fragilisé notre sécurité sanitaire. Nous ne découvrons pas cette situation, je le répète. Déjà en 2018, une mission d'information sénatoriale alertait sur la perte d'indépendance sanitaire française et incitait à recréer les conditions d'une production pharmaceutique de proximité. Il est donc grand temps de définir une véritable stratégie de prévention et de gestion des pénuries de médicaments pour répondre à l'urgence de la situation. Pour notre part, Monsieur le ministre, voici 4 principales préconisations que nous formulons et pour lesquelles nous souhaitons avoir votre avis. À court terme, l'État doit permettre une réelle planification en matière de commande de médicaments sur le modèle de ce qui a été fait en 2021 avec le vaccin contre la grippe. De façon corollaire, il convient de mettre en place, par l'intermédiaire de l'ANSM, un véritable outil de pilotage prévisionnel des pénuries de médicaments. Ceci pourrait passer par la publication d'une cartographie précise, territorialisée et actualisée en temps réel des médicaments actuellement en pénurie et de ceux pour lesquels il existe un risque de rupture. Il paraît ensuite souhaitable de revoir le dimensionnement des appels d'offres des hôpitaux pour l'achat de médicaments. Les hôpitaux, vous le savez, privilégient aujourd'hui des appels d'offres de grande taille, portant sur de très grandes quantités de médicaments pour rationaliser les coûts. Mais ceci a pour conséquence de restreindre le nombre d'entreprises capables d'y répondre, ce qui peut engendrer des difficultés d'approvisionnement en cas de défaillance du titulaire du marché. À cet égard, il nous paraît nécessaire de tendre vers des appels d'offres de taille plus modeste, multi-attributaires, pour favoriser un approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs de façon à sécuriser les appros et donner de la lisibilité aux fabricants. Enfin, à moyen terme, il est indispensable de permettre et d'encourager la relocalisation en France et en Europe de certains sites de production des substances actives et de médicaments finis. Il est impératif que nous retrouvions au plus vite notre souveraineté sanitaire. Le 16 juin 2020, le président de la République annonçait une initiative de relocalisation de certaines productions critiques. Près de 3 ans plus tard, le bilan semble bien mince. Parallèlement aux réponses immédiates qui s'imposent pour éviter les pénuries, il est indispensable de s'attaquer à l'autre cause profonde de cette situation, cause que des associations telles que l'Observatoire pour la transparence dans les politiques du médicament dénoncent depuis plusieurs années, l'inscription des produits de santé dans des logiques marchandes et financières. Il faut savoir, et c'est un élément central, que les pénuries concernent principalement les médicaments dits matures, c'est-à-dire ceux dont les brevets sont libres. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand un médicament est libre, il est moins cher, donc moins rentable, et il ne présente plus d'intérêt pour l'industrie pharmaceutique. À elle seule, cette affirmation illustre les dérives du système actuel. Comment peut-on accepter que la production d'un médicament efficace et utile à de nombreux patients soit tout simplement stoppée au seul motif qu'il n'est plus assez rentable ? Le modèle actuel, basé sur la politique de l'offre et de la demande, n'est tout simplement pas adapté à la santé. Face aux décisions des industries pharmaceutiques, les pouvoirs publics sont désarmés et impuissants, réduits à de simples observateurs. Et cela est rendu possible par l'opacité qui caractérise ce secteur. Aujourd'hui en France, les données publiques sont trop peu nombreuses. On ne sait pas exactement ce que coûte le développement, les essais cliniques, la fabrication des médicaments ou des vaccins. Il est impossible de comprendre comment sont fixés les coûts, les prix. Cette opacité est encore aggravée par les récentes règles relatives au secret commercial ou au secret d'affaires. Or, il ne peut y avoir de secret d'affaires en matière de santé, je le dis clairement. Car c'est sur cette absence de transparence que les industries pharmaceutiques s'appuient pour fixer les prix et imposer des prix élevés. Rappelons-nous, chers collègues, qu'alors que la recherche sur le vaccin contre la Covid a été en partie financée par le public et qu'en 2021, Pfizer a réalisé un chiffre d'affaires de 81,3 milliards de dollars,
soit près du double de l'année précédente, c'est en toute liberté qu'il a décidé d'augmenter le prix de son vaccin de 25% sans même chercher à justifier la hausse. Les grands groupes industriels pharmaceutiques sont aujourd'hui seuls maîtres à bord. Voilà pourquoi la lutte pour plus de transparence est une nécessité absolue. En 2019, l'OMS a adopté une résolution sur la transparence des marchés. Il s'agissait alors d'améliorer l'échange public d'informations sur les prix effectivement payés par les gouvernements et d'autres acheteurs de produits sanitaires, et d'accroître la transparence sur les brevets pharmaceutiques, les résultats des essais cliniques et les autres déterminants des prix le long de la chaîne de valeur du laboratoire au patient. Malheureusement, très peu d'évolutions notables dans ce domaine depuis, à part l'obligation imposée depuis 2020 aux compagnies pharmaceutiques de déclarer les financements publics. Monsieur le ministre, la communication publique des données en matière de santé doit devenir la règle. Il est impératif que les politiques pharmaceutiques soient au service de la santé de tous, que la politique industrielle de notre pays soit basée sur les besoins des populations. Il convient de faire des produits pharmaceutiques des biens communs et de la santé un droit effectif garanti pour tous. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Loïc Hervrand du groupe Horizon. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. Monsieur Loïc Carvran attire l'attention de Madame la ministre des Solidarités et de la Santé sur la pénurie du vaccin Pneumovax ainsi que sur d'autres médicaments dans les pharmacies de ville. Les difficultés d'approvisionnement frappent également de nombreux autres médicaments, dont des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur qui se retrouvent en rupture de stock temporaire dans de nombreuses pharmacies. Les causes des ruptures semblent multiples : défaillance des outils de production, production insuffisante, difficulté d'approvisionnement en matières premières, défaut de qualité, et s'explique en partie par la complexité et la mondialisation des chaînes de production des médicaments. En conséquence, la moindre défaillance dans la chaîne de production crée une rupture de stock généralisée à l'Europe entière. Ainsi, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement pour pallier ces difficultés d'approvisionnement de médicaments. Ces phrases sont celles d'une de mes questions écrites au gouvernement, publiées au Journal officiel le 4 avril 2018, avant la crise sanitaire de la Covid, avant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Depuis, la situation a empiré. Les pénuries se sont intensifiées, les ruptures se sont étendues à de nombreux médicaments. Fin décembre 2022, plus de 3000 molécules étaient en rupture, contre 300 il y a 10 ans. Cortisone, paracétamol, ventoline, mais aussi des produits de base comme le sérum physiologique, manque dans les officines. Déjà confrontés à d'importants problèmes de recrutement, les pharmaciens passent des heures à tenter de trouver un fournisseur pour répondre à leurs patients. Une charge supplémentaire pèse également sur les médecins qui doivent adapter leurs prescriptions aux disponibilités. Il serait commode et confortable de dire que tout ceci n'est qu'un phénomène conjoncturel dû à une combinaison de facteurs géopolitiques et sanitaires. Bien sûr, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la disponibilité de certaines matières premières affecte la fabrication, notamment de certains contenants. Bien sûr, la situation de la Chine, confrontée à une épidémie de Covid qui fragilise sa production et l'incite aussi à privilégier son marché intérieur, impacte les livraisons à l'Europe. Bien sûr, la demande a été forte en fin d'année dernière du fait d'une conjonction d'épidémies qui ont contribué aux tensions sur les médicaments infantiles, par exemple. Mais si j'ai choisi de commencer cette intervention par mon alerte de 2018, c'est parce que le groupe Horizon considère qu'avant d'être conjoncturel, cette question est structurelle. Et elle doit interroger, parce que l'aggravation continue de la situation dit quelque chose de très simple. Le problème n'a pas encore été adressé à la hauteur de la gravité du sujet. Ce qui est en jeu, c'est la santé, parfois la vie des Français. Une situation dans laquelle notre système de soins ne serait plus en capacité de traiter les infections graves, abandonnerait les insulinodépendants, ne serait plus en mesure de réaliser des opérations chirurgicales vitales, ne pourrait plus vacciner sa population, ne peut plus être écartée. C'est aussi un problème démocratique majeur, car les pénuries de médicaments sont emblématiques de ce sentiment d'impuissance du politique et de déclin de la France ressenti par beaucoup de nos compatriotes. Résoudre ces difficultés, c'est d'abord intégrer le fait que le médicament est un sujet souverain. Je n'ai pas la prétention ici de dessiner ce que devrait être une ambition de souveraineté retrouvée sur le médicament, mais nous pouvons proposer quelques pistes à notre sagacité collective.
Il y a d'abord un sujet d'identification et de priorisation, dresser un état des lieux pour les médicaments essentiels qui indique pour chacun d'entre eux les risques et les fragilités d'approvisionnement et le préalable incontournable. Ensuite, pour chacun d'entre eux, des mesures immédiates pourraient être prises, à commencer par l'amélioration de l'effectivité des stocks obligatoires sur lesquels il y a eu des progrès, peut-être en diminuant les dérogations aux obligations de stockage. Le travail sur les chaînes de production existantes en France et en Europe est également indispensable en identifiant les fabricants et les aidant lorsqu'ils sont en situation économique difficile, mais aussi en permettant le développement de leurs chaînes de production. Et puis, des actions de fond et de plus long terme sont également nécessaires. Bien entendu, la relocalisation de la production de principes actifs en France et en Europe doit devenir réalité. Nous avons de nombreux atouts pour cela, à commencer par la formidable attractivité de notre pays. Nous ne pourrons pas faire non plus l'économie d'un réel travail sur la prescription et l'observance dans un pays champion du mauvais usage du médicament et des prescriptions injustifiées. Enfin, nous n'échapperons pas à la remise à plat de notre modèle économique du médicament et de l'innovation thérapeutique. 1,73€ pour 30 comprimés de metformine pour le diabète, 7,66€ les 100 comprimés de lithium pour les troubles bipolaires, ces prix incluent les marges des officines. Ce modèle économique ne va plus. Il pousse aux délocalisations, à la mise sous pression des façonniers, nous exposant à la rupture au moindre grain de sable. Pour construire le chemin de résolution de ces pénuries, il faut une volonté, celle de protéger les Français, de reconstruire pierre après pierre notre souveraineté. Il faut aussi une stratégie qui construise une réelle souveraineté sanitaire à l'échelle française et européenne. C'est la volonté du groupe Horizon. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Sébastien Pétavy du groupe écologiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en tout, ce sont quelque 3000 molécules qui ont manqué à l'appel cet hiver. Parmi ces molécules, l'amoxicilline, premier antibiotique prescrit en France, ou encore le paracétamol. Parce que les ruptures d'amoxicilline touchent principalement les usages pédiatriques, elles ont mis à mal ces unités déjà sous forte tension depuis plusieurs semaines. Les associations pédiatriques ont d'ailleurs estimé que la pénurie d'amoxicilline constituait un risque supérieur à celui de l'épidémie de bronchiolite. En 2021, l'Agence nationale de sécurité du médicament a ainsi reçu plus de 2440 signalements de pénurie. Depuis plus de 10 ans, les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme sur l'augmentation constante des risques de pénurie de médicaments. La pénurie de ces molécules, essentielles dans notre arsenal médical, est une menace réelle aussi bien pour la santé des Françaises et Français que pour le système de soins et d'accompagnement. Elle soulève deux sujets majeurs. Celui d'abord de la charge supplémentaire infligée à notre personnel soignant, déjà en proie à des conditions de travail désastreuses. Celui ensuite de la souveraineté industrielle et pharmaceutique de notre pays. La pénurie de masques lors de l'éclatement de la pandémie de coronavirus a été révélatrice de notre vulnérabilité alors que nous demeurons en situation de dépendance pharmaceutique et industrielle. Parce que ces pénuries sont, elles aussi, principalement liées à la forte dépendance de la France au marché mondial et non à un mouvement social chez Sanofi, comme vous le déclariez, Monsieur le Ministre, le 13 décembre sur France Info. Et c'est justement parce que le gouvernement demeure dans une vision court-termiste que nous sommes et resterons vulnérables aux fluctuations du marché. Cette vision court-termiste, c'est celle qui donne le blanc-seing aux entreprises privées, perfusées d'argent public, alimentées par la course au profit et au productivisme au détriment de l'intérêt général. Sanofi, le géant pharmaceutique dont le chiffre d'affaires était de 33,77 milliards d'euros en 2014, dont 7% réalisés en France, bénéficie depuis 2008 de 125 à 130 millions d'euros par an d'abattements fiscaux au titre du crédit impôt recherche. En parallèle, il n'a eu de cesse de diminuer son potentiel de recherche de développement. D'après les syndicats, Sanofi a supprimé 2000 emplois dans ce secteur ces dernières années. Fin 2009, il y avait 6212 salariés en CDI dans la recherche pharmaceutique en France. Fin janvier 2015, ce chiffre était exactement de 4237. La totalité des crédits d'impôt perçus par le groupe en France est passée de 70 millions d'euros en 2007 à 150 millions en 2013. Déjà à cette date, la Cour des comptes alertait dans un rapport des stratégies d'optimisation visant à maximiser l'avantage fiscal accordé au titre du CIR
peuvent se développer dans la durée. Pourtant, les multinationales continuent à toucher des montants colossaux de crédits d'impôt recherche, mais pratiquent en réalité des délocalisations massives de leurs chaînes de production et de leurs unités de recherche dans des pays à bas coûts sociaux et fiscaux. Ce phénomène de dumping fiscal et social met à mal notre souveraineté économique et industrielle française. La crise sanitaire l'a d'ailleurs clairement montré, puisque sur un domaine aussi stratégique que l'industrie pharmaceutique, la France s'est retrouvée à la fois en tension, mais surtout en situation de dépendance auprès des pays étrangers sur des médicaments de première nécessité. Alors que 80% des principes actifs des médicaments prescrits en Europe sont produits en Inde ou en Chine, nous devons nous extraire de notre dépendance aux marchés extérieurs, qui d'ailleurs renforcent nos émissions de CO2 et relocalisent la production des médicaments. Suite à la crise sanitaire, une unité de production de paracétamol a été relocalisée sur le territoire et sera mise en œuvre d'ici à 2023. Les enjeux de sécurité sanitaire et de droit fondamental à la santé exigeraient que ce dispositif se généralise pour toutes les molécules essentielles. Cette pénurie de médicaments est ainsi un des multiples symptômes d'une maladie bien plus profonde, celle d'une course à la croissance qui préfère délocaliser à tour de bras ces unités de production de médicaments au détriment de la santé, de l'accès aux soins et des normes environnementales en polluant fleuves et rivières des pays plus lointains. Le profit avant la santé, le profit avant la planète. Le profit avant la vie. Si les antibiotiques ne sont pas automatiques, cela reste un droit de pouvoir en bénéficier lorsque son état de santé l'impose. Une réponse ambitieuse et réaliste à cette chronique d'une pénurie annoncée implique donc de passer d'une logique de rentabilité à celle de la planification, en sortant les stocks de médicaments essentiels du marché privé, déjà très opaques, et dans la recherche permanente de l'enrichissement. Les discours de façade et la vision court-termiste ne suffisent plus. Il est temps de changer de paradigme, la vie digne dans une planète vivable et vivante avant tout. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Yannick Monet du groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, la pénurie de médicaments n'est pas un phénomène récent, mais elle s'est accentuée ces dernières années. Nous sommes passés de 600 signalements en 2016 à 3500 l'an dernier. La pandémie de la Covid a mis en lumière les questions relatives à la production et à l'approvisionnement des médicaments, mais les difficultés d'approvisionnement avaient commencé à augmenter drastiquement avant la pandémie. En 2019, nous étions déjà à 1500 signalements. À partir de ce constat, la première remarque que nous pouvons d'ores et déjà formuler, c'est que ce problème n'est pas nouveau et qu'il aurait pu et aurait dû être anticipé. Nous constatons ensuite que ces signalements concernent des produits très divers, des anticancéreux, des antirétroviraux ou l'insuline. Plus récemment, cet hiver, nous avons connu ce que certains appellent d'une manière moins dramatique, une tension d'approvisionnement du Doliprane pour enfants et de l'amoxicilline. Au-delà de la publicité abondante qui a été faite autour de ces deux types de médicaments pour enfants, et peut-être passé plus inaperçu, le cri d'alerte de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine qui affirmait alors que toutes les classes de médicaments sont en rupture. La situation est donc inquiétante et fragilise notre système de santé public et d'accès aux soins pour tous. C'est au regard de cette urgence que nos collègues sénateurs communistes ont tout récemment pris l'initiative d'une commission d'enquête sur l'aggravation des pénuries de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française. Et c'est déjà au regard de cette urgence que, dans la précédente législature, le groupe GDR avait déposé une proposition de loi pour un service public du médicament. Pourquoi parlons-nous d'un service public ou d'un pôle public du médicament ? Parce qu'il faut remettre les besoins et la sécurité des patients au cœur de la production et de l'approvisionnement des médicaments. Parce qu'il faut sortir de la logique de marchandisation des médicaments dominée par le consumérisme des produits pharmaceutiques. En effet, les défaillances sont depuis longtemps bien identifiées. Il s'agit de la délocalisation massive de la production de médicaments et ses conséquences. Les grossistes répartiteurs qui préfèrent vendre leur stock de médicaments aux pays les plus offrants ou les tensions d'approvisionnement volontairement créées par les laboratoires pour faire augmenter les prix. Les dispositions prises par le gouvernement pour obliger les fabricants à conserver des stocks disponibles se sont avérées largement insuffisantes, tout comme les plans de gestion de pénurie imposés à l'industrie pharmaceutique. Enfin, les prix des médicaments apparaissent de plus en plus déconnectés des coûts réels de production et de recherche, garantissant des marges injustifiées aux laboratoires.
Cette situation aboutit à faire peser des contraintes financières importantes sur la sécurité sociale, qui rembourse les soins tout en assurant des rentes de situation aux acteurs privés. En outre, la puissance publique peine à réguler efficacement les prix des médicaments, alors même que la demande de médicaments est largement soutenue par la solidarité nationale. Les causes sont à chercher dans le déséquilibre croissant entre les moyens d'intervention de l'État et la force économique des entreprises du médicament. Malgré des prérogatives importantes, le Comité économique des produits de santé, l'organisme interministériel chargé de négocier les prix des médicaments face aux laboratoires, ne dispose pas aujourd'hui des moyens financiers et d'expertise suffisants pour remplir correctement sa mission. Pour toutes ces raisons, nous pensons que l'État, doit disposer d'outils publics et de moyens industriels suffisants pour garantir la disponibilité des médicaments essentiels, économiquement abordables, de bonne qualité et bien utilisés. L'organisation de la recherche doit se soumettre à l'intérêt général. Cela implique d'engager des mesures fortes de régulation sous l'égide de la puissance publique et de dégager des moyens nouveaux au profit de la recherche. Les coopérations internationales doivent être encouragées et les financements publics fournis à hauteur nécessaire. La législation internationale en matière de propriété intellectuelle et industrielle appliquée aux médicaments doit être révisée sur la base de la primauté de la santé publique. Nous plaidons pour une maîtrise publique de l'ensemble de la chaîne du médicament parce que le médicament ne peut plus être traité comme un bien de consommation comme les autres. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Paul Molac du groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, donc ce sujet du médicament et des pénuries que nous avons pu connaître, introduit par nos collègues socialistes et apparentés, nous les en remercions. Ce problème est majeur et je dirais qu'il inquiète considérablement nos concitoyens qui se retrouvent quelquefois démunis. Et je viens d'avoir un SMS qui me dit qu'à Paris, même aujourd'hui, nous avons des problèmes d'approvisionnement en antibiotiques. On a eu la même chose avec le paracétamol, par exemple. Donc, en 30 ans, à l'image des vêtements, des jouets ou encore des appareils électroniques, la fabrication des médicaments s'est peu à peu délocalisée et essentiellement, elle est aujourd'hui faite en Asie. Alors, 80% des principes actifs entrant dans la composition des médicaments vendus en Europe proviennent de l'Inde ou de la Chine. C'est le cas, par exemple, de la plupart des médicaments génériques. Alors, le paracétamol, on en a parlé, hein, parmi les plus populaires, est même désormais produit exclusivement hors d'Europe. Seules les phases finales de fabrication, comme le conditionnement en comprimé ou en gélules, sont la plupart du temps effectuées sur le territoire européen. Cette mondialisation induit des risques majeurs pour la santé publique. D'abord, la qualité des principes actifs fabriqués dans les pays émergents n'est pas vraiment suivie par les autorités sanitaires européennes ou américaines, faute de moyens. Par exemple, la Direction européenne de la qualité des médicaments, organe du Conseil de l'Europe, procède à une trentaine d'inspections annuelles hors d'Europe, un chiffre à rapporter aux milliers de sites de production en Chine ou en Inde. Autre problème, la fourniture des principes actifs ne peut plus être assurée à la suite d'événements géopolitiques, climatiques ou sanitaires, comme cela a été le cas dans la pandémie du Covid. Du fait des confinements et d'une moindre demande, la production de médicaments et de ses principes actifs durant cette période a baissé de manière conséquente. Avec les reprises épidémiques et la priorité donnée à la demande nationale par certains pays producteurs, le redémarrage de la production, à vocation internationale, a été mal évalué, mal anticipé. Cela a entraîné des tensions d'approvisionnement sans précédent. La guerre en Ukraine, enfin, la crise de l'énergie, une hausse de la demande mondiale n'ont fait qu'aggraver la situation. La très grande majorité des pénuries concerne les médicaments dits matures, c'est-à-dire ceux dont les brevets sont libres. Parce que les droits de propriété intellectuelle ont expiré, le brevet tombe dans le domaine public, le médicament original peut donc être légalement copié. On parle alors de médicaments génériques dont la fabrication est forcément rendue moins chère, donc moins rentable et moins attractive pour l'industrie pharmaceutique de nos pays développés. Les conséquences en termes de santé publique peuvent être lourdes, les patients n'étant plus en mesure de trouver leur traitement en pharmacie. Selon l'association France
Asso Santé, 45% des personnes confrontées à des pénuries ont été contraintes de reporter leur traitement, de le modifier ou d'y renoncer. Dans certains cas, comme celui des médicaments utilisés contre le cancer, cela peut entraîner une perte de chance notable pour les malades. Et ce n'est tout simplement pas acceptable. Avec la mondialisation, on l'a compris, les flux de l'industrie pharmaceutique se sont complexifiés. On achète des matières premières à un endroit, on fabrique grâce à eux des principes actifs à un autre, on les assemble avec les excipients encore ailleurs et on conditionne le tout, là aussi, possiblement dans un autre pays. Au-delà des difficultés d'approvisionnement et donc de production, s'ajoutent des possibles difficultés liées au transport, notamment maritime. Le tout, mis bout à bout, allonge les délais et font que les secteurs pharmaceutiques sont de moins en moins réactifs. Dès lors, nul besoin de rappeler qu'il est urgent d'agir vers le choix de la relocalisation de la production de médicaments pour agir contre le risque de pénurie et sécuriser l'approvisionnement. Peut-être serait-il nécessaire en ce sens de réformer les critères retenus dans le cadre de la politique de remboursement pour mieux prendre en compte la territorialité de la production, sans quoi l'externalisation des activités pharmaceutiques en Asie ou dans tout autre pays, avec tous les risques que cela suppose en termes de qualité sanitaire et d'approvisionnement, continuera à se développer. Donc on ne peut être évidemment qu'être sensible à ce que proposaient nos camarades, par exemple, d'avoir une politique du médicament et d'avoir une industrie du médicament qui nous permette d'être totalement autonomes par rapport aux difficultés que j'ai pu décrire. Et cette autonomie me paraît particulièrement importante. Alors, faut-il l'avoir simplement au niveau français, faut-il l'avoir au niveau européen? Mais ça pose une question, évidemment, de souveraineté. Et je pourrais même, mais ce sera certainement un autre débat, le problème de souveraineté alimentaire se pose aussi quand on voit par exemple que notre balance commerciale au niveau de l'agroalimentaire ou de l'agriculture est en fait déficitaire si on enlève les spiritueux et les vins. Je vous remercie de votre magnanimité, Madame la Présidente. Merci. La parole est à Madame Nicole Dubré-Chira du groupe Renaissance. Je vais baisser. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, les phénomènes de pénurie de médicaments à l'hôpital comme en ville, relayés par les médias, alimentent l'inquiétude des patients en mettant sous pression le système de santé et les professionnels de santé. Cet hiver, nous avons connu avec la triple épidémie Covid, grippe et bronchiolite des tensions sur les stocks courants de médicaments comme l'amoxicilline et le paracétamol, en particulier ceux prescrits aux enfants, source de soucis pour les parents. Toutes les classes thérapeutiques sont touchées, antibiotiques, anti-inflammatoires, médicaments anticancéreux ou ceux pour les troubles du système nerveux. Si ces tensions ne sont pas nouvelles, elles semblent s'étendre non seulement aux pharmacies de ville, mais aussi désormais aux pharmacies hospitalières. À s'accélérer au fil des ans, comme l'illustre le rapport de l'Agence nationale de sécurité de médicaments, en 2019, elle notait que les tensions ont été multipliées par 20 en 10 ans. Concernés aussi les médicaments dits essentiels. Les causes en sont connues et complexes, à commencer par les difficultés d'approvisionnement des molécules. 80% des principes actifs sont importés de Chine et d'Inde, contre 20% il y a 30 ans. Les mutations et la mondialisation de l'industrie du médicament. Dans les années 80, la France comptait près de 470 entreprises de production, contre seulement 247 aujourd'hui. Les quotas industriels ou encore la hausse inattendue de la demande. Ces pénuries constituent une préoccupation majeure des pouvoirs publics en France et en Europe. Ils ont mis en place des réponses structurelles sans précédent, comme la stratégie commune européenne de santé depuis 2020. Elle encourage l'entraide entre États, assouplit les règles et incite à la réintégration de la production locale de médicaments en Europe. La feuille de route sur la stratégie pharmaceutique de la Commission européenne, annoncée pour mars, listerait aussi des mesures contre les futures pénuries. En France, l'adoption en 2021 du plan France 2030 mobilise des financements conséquents, 7,5 milliards d'euros pour la filière médicaments. La relocalisation, par exemple, de la filière paracétamol avec l'implantation d'une usine à Roussillon en Isère ou encore l'objectif ambitieux comme la production de 20 biomédicaments en 2030. Ces mesures associées au système d'information et de partage de données de l'Agence de sécurité du médicament permettent d'anticiper les risques de rupture et de signaler ces ruptures.
La loi de financement de la sécurité sociale de 2020 a augmenté les sanctions financières des laboratoires qui ne signaleraient pas les risques ou les ruptures de stock. Quel est l'impact de cette mesure ? Conduit-elle à une meilleure anticipation ? Le système de gestion et de contingentement des stocks de médicaments dits essentiels ou encore médicaments d'intérêt thérapeutique majeur contribue à cette anticipation. On doit toutefois tenir compte des effets reports sur d'autres produits. Par exemple, cet hiver, avec la tension sur l'amoxicilline, un report s'est fait sur la pyostacine à plus de 50 ou 60%. Les industriels ont en urgence augmenté la production et trouvé des solutions d'importation. Afin de répondre à l'enjeu structurel, il serait peut-être souhaitable d'ajouter à la liste des médicaments essentiels et prioritaires les médicaments de substitution. On peut aussi se demander s'il est nécessaire d'étendre le système de contingentement à des médicaments dits non essentiels. Afin de renforcer la coordination santé et industrie, un gel de la baisse des prix de certains génériques a été annoncé. Les productions de produits d'origine, dont les prix sont alignés sur les génériques, doivent aussi attirer notre attention. Une activation de l'article 65 de la loi de financement de sécurité sociale de 2022 est-il envisageable ? C'est l'une des mesures du plan Innovation Santé 2030 qui vise à concrétiser l'engagement de renforcer la prise en compte de l'empreinte industrielle dans la fixation du prix des médicaments et des investissements sur notre territoire afin d'inciter à l'augmentation des capacités de production en vue de l'approvisionnement du marché national. On peut s'interroger sur les conséquences des pénuries de médicaments sur la santé des patients. Que se passe-t-il lorsque le traitement a été substitué ou lorsque le patient a arrêté son traitement ? Les effets indésirables ou vitaux pour les patients ont-ils été nombreux ? Les centres de pharmacovigilance régionaux mènent des études pour en évaluer les conséquences. Ils nous disent manquer de données disponibles. Est-il prévu de renforcer leurs outils d'évaluation ? Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous communiquer des éléments pour éclairer la représentation nationale sur les moyens d'améliorer la lutte contre les pénuries afin de garantir l'accès aux soins et de rassurer les patients ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Thierry Frappé du groupe Rassemblement national. Bonsoir. Merci, monsieur. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Amoxicilline, sérum physiologique, Trulicity, Tresiba, Novorapide, Bétaméthasone, ces noms sont peu évocateurs pour vous, mais ils font partie de la liste des médicaments actuellement en rupture sur notre territoire. Insuline, antibiotiques, corticoïdes, et j'en passe. Il y a maintenant 3 ans, Marine Le Pen interrogeait la ministre de la Santé à l'époque, Madame Buzyn, sur les pénuries de médicaments. Quelle ironie de retrouver ce jour le même débat. Depuis 2020, avec l'épidémie du Covid-19, nous connaissons de nombreuses défaillances au sein de notre système d'approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux. Lorsque Marine Le Pen a dénoncé cette situation, elle a été accusée d'isolationnisme. Vous avez déplacé à l'échelon européen la stratégie de production pharmaceutique, voire mondiale. Quel succès ! Selon le syndicat des entreprises du médicament, le LEM, notre pays se situe aujourd'hui à la 5e place de production pharmaceutique en Europe, derrière la Suisse, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni. À nouveau, quel succès ! Vous allez une fois dire que nous entretenons un climat de peur. Soyez responsables de vos choix. L'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, estime à environ 3 000 le nombre de signalements de rupture et tensions sur l'approvisionnement en 2022, il n'y en avait que 405 en 2016. Les choix des politiques d'hier ont organisé la vulnérabilité sanitaire et industrielle d'aujourd'hui en laissant notre puissance industrielle pharmaceutique se délocaliser dans des pays extra-européens sans anticiper la possibilité de pénurie ni la nécessité de favoriser la recherche. Comment peut-on encore, aujourd'hui, dépendre à près de 80% de la Chine et de l'Inde pour la production des principes actifs ? Comment notre pays, fleuron de l'industrie pharmaceutique mondiale, est-il passé à la 5e place
derrière l'Italie. L'instauration des PLFSS en France a été destructrice du tissu industriel. Ils ont imposé une vision annuelle du financement de notre système de santé avec une logique purement comptable, sans considération industrielle. Cela entraîne deux conséquences. Le manque d'attractivité, le désinvestissement public dans le soutien à la production nationale. Le sujet de la santé ne peut être laissé aux comptables. Il faut un cap, un objectif, une stratégie. Il faut en somme une volonté politique. Le PLFSS 2023, dont vous avez empêché le débat, retient une vision purement comptable du secteur en prélevant 800 millions d'euros aux industriels, alors qu'à la faveur de la crise Covid, le gouvernement leur a prôné la relocalisation. Quel succès ! Vous conviendrez que pour rendre un secteur attractif et compétitif, nous avons connu de meilleures stratégies. Pendant ce temps-là, vous proposez un plan de préparation épidémique hivernale, un plan blanc médicaments. Vous parlez de plan quand nous, nous parlons de stratégie. Nous souhaitons retrouver la souveraineté industrielle. Ce n'est pas être anti-européen que de proposer cela, puisque nos voisins le font. Cette réindustrialisation doit être pilotée par l'État pour permettre au marché national d'être attractif et compétitif. En proposant une loi de programmation de santé avec pluriannualisation du PLFSS pour donner une vision de long terme aux industriels, en diminuant le nombre d'interlocuteurs entre les industriels et les administrations, en ajustant les prix, tant en Europe qu'en France, en simplifiant les démarches pour le médicament innovant, en relançant la recherche clinique, en ajoutant à la NSM un organisme interministériel de coordination. Et enfin, en donnant au ministère de l'Économie et de l'Industrie, et pas au ministère de la Santé, la responsabilité industrielle des produits de santé. Alors, mes chers collègues, il faut relancer les industries de santé dans notre pays. Cette politique doit être centrale pour la santé de nos concitoyens. Il faut agir, et maintenant. Je vous remercie. La parole est à monsieur Mathias Tavel du groupe La France Insoumise. Merci, monsieur. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, collègues, le paracétamol va-t-il devenir un produit de luxe ? Faut-il apprendre à vivre sans amoxicilline, antibiotique le plus prescrit à nos enfants ? À cette heure, tous les deux sont encore en tension d'approvisionnement. Pourtant, il y a un mois, presque jour pour jour, Monsieur le Ministre, vous promettiez un retour à la normale dans les deux semaines. Comme sur la retraite minimale à 1 200 euros, encore un mensonge. Après avoir envoyé les soignants au front du Covid sans blouse, sans masque, sans gants, après avoir détruit l'hôpital public, vous demandez désormais aux Français de se passer de médicaments. Aux déserts médicaux contre lesquels vous ne faites rien, vous ajoutez les déserts médicamenteux. Pourtant, vous saviez. L'Académie française de pharmacie alerte depuis 2011. Jean-Luc Mélenchon alertait dès 2012 sur les risques de pénurie de paracétamol à venir. Qu'avez-vous fait ? Rien. Pire, depuis que vous gouvernez, les pénuries s'aggravent. En 2022, 3500 médicaments essentiels ont été en tension ou en rupture. C'est 5 fois plus qu'à l'arrivée au pouvoir de M. Macron. Les causes sont connues. Concentration des productions de l'industrie pharmaceutique sur les médicaments les plus juteux financièrement. Tant pis pour les pauvres et les maladies non rentables, condamnées à une forme de pénurie sociale. Concentration des génériques, ensuite, laissée aux laboratoires qui daignent se partager ce marché moins lucratif, puisque 40% des médicaments génériques sont produits par seulement 2 laboratoires dans le monde, une situation que même M. Bruno Le Maire qualifiait d'irresponsable et déraisonnable il y a déjà 3 ans. Concentration géographique, enfin, quand 80% des matières actives à usage pharmaceutique sont fabriquées hors de l'Union européenne du fait des délocalisations. Ce système coupable porte un nom, le capitalisme. La marchandisation de la santé, c'est-à-dire de la vie elle-même. Exemple, en 2022,
Pfizer a annoncé l'arrêt de sa production d'isoprénaline, médicament utilisé en réanimation pour certaines urgences vitales et pour lesquelles il n'existe pas de remplacement. En 2016, déjà, Sanofi arrêtait la production du BCG, utilisé contre le cancer de la vessie et la tuberculose, alors qu'il était le principal producteur en France. Depuis, Sanofi a fait 50 milliards d'euros de profit. Cet hiver, les tensions concernent des anticancéreux, des insulines, des anticoagulants utilisés lors des AVC. Votre inaction est donc coupable. Coupable car les conséquences de ces pénuries sont très concrètes. Un Français sur quatre a déjà été privé de médicaments et un sur huit était contraint de reporter son traitement, voire d'y renoncer. La directrice de l'Agence nationale de sécurité du médicament alerte sur, je cite, des risques possibles de perte de chance pour les patients. Avez-vous conscience qu'il s'agit à demi-mot de mort? En assumez-vous la responsabilité politique? Pourtant, avec cynisme, Emmanuel Macron déclarait en mars 2020 « Ce que révèle cette pandémie de Covid, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Nous devons en reprendre le contrôle et les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. » C'était il y a 3 ans. Qu'avez-vous fait? Rien ou si peu. Vous avez refusé de réquisitionner l'entreprise Luxfer qui, avant sa fermeture, était la seule en Europe à fabriquer des bouteilles d'oxygène médical. Vous avez laissé Sanofi supprimer en 10 ans la moitié de ses effectifs de recherche en France, alors que dans le même temps, il recevait 1,5 milliard d'euros de crédit impôt recherche. Vous avez organisé la pénurie mondiale de vaccins contre le Covid pour les pays pauvres en refusant la levée des brevets que nous demandions. Vous avez préféré garantir à Pfizer, BioNTech et Moderna leurs 1 000 dollars de profit par seconde. Vous avez ainsi préféré exposer l'humanité, et donc les Français, au développement des variants. Et aujourd'hui, votre principale réponse, des hausses de prix. Voilà votre seule réponse. Hier comme aujourd'hui, subventionner les marges de Big Pharma par la Sécurité sociale, soumettre toujours plus la santé au marché et conforter la cause des pénuries au lieu de la combattre. À l'inverse, nous affirmons avec force, non, la santé n'est pas une marchandise. Non, la maladie ne doit pas servir à faire des profits. La santé publique doit être guidée par d'autres valeurs que les valeurs boursières. Il y a urgence. Urgence à créer un pôle public du médicament. Urgence à instaurer un protectionnisme pour relocaliser les productions en France, même si la Commission européenne ne le veut pas. Urgence à reconstituer des stocks en planifiant les commandes. Urgence à couper la gabegie du crédit impôt recherche à ceux qui jouent contre la France. Urgence, si besoin, à défendre notre indépendance et les intérêts fondamentaux de la nation, comme le prévoit le Code pénal. En un mot, il y a urgence. Entre la bourse ou la vie, il faut choisir. Nous choisissons la vie. La parole est à Madame Alexandra Martin du groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'accès à la santé est un droit majeur pour tous nos compatriotes. La force de notre système de santé public est de pouvoir répondre à cet engagement. Malheureusement, depuis quelques années, les ruptures de stock et d'approvisionnement de médicaments sont de plus en plus nombreuses. Elles concernent effectivement de multiples pathologies et ont des conséquences très impactantes sur les soins délivrés aux patients, pouvant les mettre en danger vital. Sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament, la liste de ces produits s'allonge dangereusement. Alors, je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont été déjà donnés précédemment. Depuis le 1er septembre 2021, les laboratoires pharmaceutiques ont l'obligation de constituer un stock de sécurité minimale de 2 mois pour tous les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Malgré ces nouvelles dispositions, le phénomène de pénurie devient de plus en plus aigu, ce qui montre que le mal est profond. La France n'est plus compétitive dans la production comme dans la distribution des médicaments. Le taux d'incapacité à approvisionner les pharmacies demandeuses pendant au moins 1 semaine, je cite, a quasiment doublé depuis janvier 2022 pour passer de 6,5% du nombre de références de médicaments à 12,5% mi-août, constate le groupement d'intérêts économiques. Le résultat est désastreux, car ce sont des milliers de malades qui risquent de ne pas être pris en charge correctement
même s'il est à noter le grand professionnalisme des pharmaciens qui doivent parfois faire preuve d'une très grande créativité et nous voulons leur rendre hommage. Ces situations concernent des centaines de références, vous l'avez dit, dont des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur comme des chimiothérapies, des médicaments contre le diabète de type 2, des traitements pour le système cardiovasculaire et elles peuvent entraîner l'interruption ou le report de traitements d'intérêt vital. Ces ruptures sont d'autant plus néfastes que les professionnels de santé n'ont parfois pas de traitement alternatif. C'est ainsi que de nombreux médicaments destinés aux enfants et aux nourrissons, Augmentin, Doliprane pédiatrique, vous les avez cités, sont absents des officines pharmaceutiques. Des traitements alternatifs destinés aux adultes sont alors délivrés, ouvrant la voie à de potentielles erreurs de dosage aux conséquences dramatiques. À terme, ce sont les médicaments de substitution, quand ils existent, qui viennent à manquer, sans parler de l'encombrement des urgences hospitalières qui n'en ont pas besoin. Alors, comment expliquer ces ruptures ? Les laboratoires invoquent certes des problèmes d'approvisionnement, des incidents de la chaîne de production, une demande mondiale accrue. Mais depuis plusieurs années, différents acteurs et observateurs du marché pharmaceutique dénoncent aussi les stratégies économiques de l'État, une désindustrialisation nationale, un système archaïque de livraison des pharmacies, pointant également le fait que de nombreux médicaments en rupture sont anciens, peu coûteux et donc moins rentables à produire pour les industriels. Frédéric Bizard, économiste en matière de santé et président fondateur de l'Institut de la Santé, dénonce régulièrement l'incapacité de la France à anticiper les besoins en médicaments et à sécuriser leurs approvisionnements. L'État ne réalise ni l'évaluation prévisionnelle de nos besoins pharmaceutiques, ni le suivi des stocks à l'échelle nationale en temps réel. Alors que notre pays possède une histoire très forte en matière de production pharmaceutique, elle a perdu ce leadership depuis une dizaine d'années, passant de la première à la quatrième place européenne, et ceci par manque de vision. Ces pénuries ne sont pas une fatalité, mais relèvent d'une vision purement comptable de l'État, d'un secteur dont l'importance sanitaire, industrielle et économique est pourtant primordiale. La seule régulation de l'État et de reporter l'accès du marché plus tard, le plus tard possible, des innovations. 4 fois le temps moyen d'accès par rapport au marché allemand. Et d'écraser le plus possible les prix des médicaments anciens, moins 35% en 10 ans, au point de ne plus rendre leur production viable en France. Ces pénuries sont la conséquence des 10 dernières années de politique de santé. Et sans changement structurel, elles perdureront. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que la politique menée par le président de la République est incapable de protéger correctement les Français. Ces gouvernements successifs auront été ceux de toutes les pénuries, par manque d'anticipation et de vision. Pendant le Covid, bien sûr, pénurie de carburant, pénurie d'électricité, pénurie alimentaire, pénurie de matières premières ou dans le BTP. Mais aujourd'hui, comme pendant la crise du Covid, c'est la sécurité sanitaire des Français qui est en jeu. Et cela, nous ne le pouvons pas accepter. Et nous avons d'ailleurs demandé une commission d'enquête dès le mois d'octobre dernier. Nous devons donc obtenir, Monsieur le ministre, des réponses claires et précises. Merci. La parole est à Monsieur Philippe Vigier du groupe Démocrate. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, Monsieur le ministre, vous avez en charge d'un ministère. Ou peut-être avec l'expérience, je peux dire, mais je remercie Christine Pires-Baud d'avoir bien voulu ouvrir ce débat. Ça fait une quinzaine d'années que le sujet des médicaments est sur la table avec, c'est vrai, une vraie aggravation. Mais j'ai en mémoire que j'avais déjà interrogé le gouvernement en 2012. Il y avait déjà 500 ruptures. En 2016, on était à 900. Et puis, on est passé à 1500, il y a 3500. Donc, ce constat a été fait sur tous les bancs, quasiment sans excès, même s'il y a toujours des débordements. Mais, chers collègues, n'oubliez pas quand même qu'à Cuba, à un moment ou à un autre, on a demandé la solidarité européenne. Et vous l'avez vécu, monsieur le ministre, en tant que réanimateur, les curares qui manquaient lorsqu'on avait des patients sous Covid, ce qui veut dire que vous êtes certainement celui qui va pouvoir redresser la barre d'une barre sur laquelle on a appuyé depuis longtemps. Vous savez, les PLFSS, comme on dit, les projets de loi de financement de la sécurité sociale, lorsqu'on assistait à leur élaboration, on s'apercevait que lorsqu'il manquait 500 millions, 1 milliard, 1,2 milliard, eh bien c'est là où on allait les chercher,
avec comme un scalpel, voilà, chaque année, dans ce PLFSS, on était toujours en train d'aller récupérer quelques financements complémentaires qui permettaient naturellement d'arriver à un équilibre. Et le constat, c'est le constat que chacun a pu faire. Ce constat, il s'impose à nous. Il est violent. Il est très mal ressenti par les pharmaciens qui font un travail de proximité formidable, par les médecins qui n'ont pas la possibilité, quelquefois, de soigner leurs patients. Je pense à des cancérologues, puisqu'il y a 10 à 15% de patients atteints d'un cancer pour lesquels nous n'apportons pas la thérapeutique dont ils pourraient bénéficier. Donc face à ça, face à ce constat, dont je peux voir qu'il est partagé sur tous les bancs, Monsieur le Ministre, je pense que les assemblées ont leur rôle à jouer. Les Sénats, d'ailleurs, ne nous a pas attendus, parce qu'il y a une commission d'enquête parlementaire qui est en cours, qui est conduite de façon, d'ailleurs, bipartisane, par une sénatrice communiste et une sénatrice centriste que je connais bien, Sonia de la Provôté, qui est elle-même médecin, et qui d'ailleurs y rendront leurs travaux au mois de juin prochain. J'entendais une collègue qui disait pourquoi pas une commission d'enquête parlementaire, une collègue républicaine, et que l'on puisse ensemble essayer d'élaborer une stratégie partagée, parce que je pense que sur ces questions-là, on doit être en capacité, me semble-t-il, de se retrouver. Alors se retrouver autour de Christine Pires-Beaune a tout à l'heure dégagé quelques pistes. Il y en a certaines que je serais prêt à emprunter assez rapidement. Lorsqu'elle parlait notamment des appels d'offres, ces méga appels d'offres qui font que naturellement on écarte un certain nombre de laboratoires et on arrive à une hyperconcentration et après une mécanique d'élaboration des prix dont chacun sait qu'il confirme plus à l'opacité qu'à la transparence, et ça n'est pas chose facile. La deuxième chose, sur les planifications des commandes, on a pu le voir, alors on a su faire. Lorsqu'il y avait le Covid, tout ce qui était impossible, on a réussi sur les vaccins. Si on est parti dans les derniers, on est arrivé les premiers. Reconnaissons que là, l'échelle européenne, souvent critiquée par certains, a montré, je crois, une vraie capacité d'action. Et, chers collègues, sur cette planification, je pense que c'est un élément sur lequel on peut aller. Je verrais bien, en fait, un tripode, en fait, trois actions, monsieur le ministre, dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens. Le gouvernement a mis en place, et le président de la République avait indiqué qu'il souhaitait que dans le plan stratégie 2030, on soit enfin en capacité de se donner les moyens. Je pense que c'est plutôt une exigence, c'est indispensable, et le mot souveraineté, pour moi, n'est pas un gros mot. De la même façon qu'on doit avoir une souveraineté alimentaire, on doit avoir une souveraineté en matière de santé. L'affaire de la production doit être revue de A à Z, c'est vrai. Comment on fait d'une sourcing, comment on maîtrise les principes actifs, comment on maîtrise les chaînes de fabrication avec un mot. Toutes ces usines-là sont Seveso. Voilà. Donc il va aussi falloir qu'il y ait une prise de conscience et chacun dise, non, pas chez les camarades, il faut aussi que cette usine on soit en capacité. Moi, j'ai un exemple dans ma région où on a refusé une usine parce que c'est un site Seveso et naturellement, levé de bouclier absolu. Et donc, ces unités de production, on doit être capable de les élaborer ensemble avec une véritable stratégie. La seconde chose, c'est le prix, la constitution des prix, dont chacun sait qu'on est sur des modes un peu anciens en termes de calcul. N'oublions pas l'innovation qui, quelquefois, a été pénalisée. Je parle devant la rapporteure générale. On a réussi à sauver quand même une part d'innovation, mais soyons dans l'innovation. Et le prix d'un médicament, en fonction de sa durée de vie, le jour où il devient générique, on soit capable, me semble-t-il, d'apporter encore une rentabilité au laboratoire, mais avec aussi, comme il y a des crédits d'impôt recherche, je ne dis pas cela, une véritable maîtrise, beaucoup plus que nous l'avons à l'heure actuelle, de ce coût de fabrication. Et puis, il y a toute l'affaire de la prescription, toute l'affaire de la diffusion, parce qu'il y a cette chaîne de diffusion par les grossistes répartiteurs, par les laboratoires, par les médecins prescripteurs. Bref, c'est sur ce tripode, me semble-t-il, qu'on doit être en capacité d'avoir cette maîtrise. Donc, en conclusion, je crois que ça appelle un plan d'urgence. Je sais que c'est votre intention, monsieur le ministre, que de porter ce plan d'urgence. Ce que je souhaite, en tout cas, c'est que, et je remercie encore les collègues socialistes d'avoir pointé ce débat ce soir, il ne faut pas qu'on en reparle dans 2 ans ou dans 5 ans. C'est quelque chose qu'il faut suivre. Donc saisissons de façon transpartisane quelque chose d'assez intelligent qui permettrait, me semble-t-il, d'apporter une réponse à nos concitoyens, pouvoir se soigner avec des médicaments. Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure Générale, Mesdames et Messieurs les députés, la politique du médicament, la gestion des pénuries sont des sujets d'actualité et d'importance auxquels vous avez choisi de consacrer ce débat. Je vous en remercie. Cela me donne l'occasion de venir m'exprimer devant vous sur ces enjeux complexes pour, d'une part, répondre à vos questions,
qui sont nombreuses et pour beaucoup autant d'interrogations qui préoccupent nos concitoyens et dont vous vous faites le relais, mais aussi d'autre part pour vous exposer plus largement l'action que mène le gouvernement pour sécuriser l'accès de nos citoyens au traitement du quotidien et assurer la plus large diffusion des innovations thérapeutiques aux patients. Oui, Monsieur Monnet, le médicament n'est pas un produit comme les autres. Ainsi, ce que l'on appelle politique du médicament se trouve au croisement de plusieurs préoccupations majeures. Loin de se limiter à des enjeux techniques, la politique du médicament fait partie de ces politiques publiques qui ont une traduction concrète et presque quotidienne dans la vie de nos concitoyens. Par exemple, et vous l'avez cité, lorsque le petit dernier a de la fièvre et qu'il faut aller à la pharmacie de garde. Ainsi, la régulation et le financement des produits de santé recoupent tout d'abord, bien évidemment, des enjeux d'accès à la santé. C'est bien là, vous le savez, ma priorité, que de lutter contre les inégalités d'accès à la santé et permettre aux patients de bénéficier des meilleurs traitements, des innovations et des produits de rupture, comme des produits plus matures, essentiels pour soigner les Français au quotidien. C'est aussi un pan non négligeable de notre politique industrielle. Je travaille à ce titre en étroite collaboration avec mon collègue Roland Lescure, ministre de l'Industrie, pour soutenir l'innovation des start-up, mais aussi de nos grandes entreprises, préserver notre tissu productif et garantir l'attractivité de notre pays. La politique du médicament, c'est aussi un sujet important de finances publiques. La soutenabilité de notre système universel de protection sociale étant un enjeu crucial pour l'avenir. Si l'accès à la santé est bien sûr ma première priorité, en termes de politique du médicament, ma première préoccupation est, logiquement, de lutter contre toutes les pénuries ou difficultés d'achalandage qui pourraient compromettre cet accès de nos concitoyens aux produits de santé dont ils ont besoin. Il me paraît important de préciser et de rappeler que nous ne sommes pas le seul pays qui fait face à des difficultés. Je pense aux États-Unis, au Canada, comme à nos voisins européens. La problématique actuelle est malheureusement internationale. Je suis bien conscient que lorsque nos concitoyens rencontrent des difficultés à se procurer, par exemple, du paracétamol ou de l'amoxicilline, et d'autant plus lorsque c'est pour leurs enfants, cela engendre des situations de stress qui sont tout à fait compréhensibles. Leur inquiétude est légitime et je l'entends. Aussi, notre mobilisation doit être forte, collective et coordonnée face à ces situations aux effets complexes et aux causes multifactorielles, vous l'avez tous relevé. Par exemple, pour l'amoxicilline, dont il a été largement question dans le débat public, nous avons fait face à une demande conjoncturellement très forte en raison de la conjonction de plusieurs épidémies hivernales, associée à une anticipation de la demande insuffisante par les industriels, car la crise sanitaire avait engendré une moindre consommation de la population sur plusieurs périodes antérieures consécutives. Cette crise sanitaire a balayé nos certitudes. Nous devons collectivement en tirer des conséquences. Les médicaments sont d'autant plus sensibles à ces chocs exogènes que leur production est le résultat d'un processus complexe, extrêmement normé, qui fait intervenir une vaste diversité d'acteurs qui interagissent dans des chaînes de valeur internationales dans un environnement géopolitique instable. On imagine bien qu'il suffit d'un grain de sable dans l'un des rouages pour que tout le mécanisme s'enraye. Il serait alors aisé de chercher des coupables à l'autre bout du monde, de renvoyer dos à dos, tour à tour industriels, gouvernement, grossiste, répartiteur, voire même prescripteur. Non, cette complexité ne doit pas diluer la responsabilité que nous avons face aux crises. Le gouvernement a réagi, nous avons agi pour dégager des solutions très concrètes afin de débloquer les situations à court terme, tout en travaillant à bâtir notre résilience dans le temps. Au plus dur de la crise, les actions fortes que nous avons mises en place rapidement, telles que le contingentement des stocks, l'interdiction des exportations, l'autorisation d'effectuer des préparations magistrales par les pharmaciens ou encore les informations régulières aux prescripteurs et à la population ont permis de limiter autant que possible les tensions rencontrées sur certains produits et surtout leurs effets. J'en profite, Madame Pires-Beaune, pour répondre à votre interrogation sur les appels d'offres des établissements de santé. Nous avons mis sur place et envoyé aux établissements une instruction leur recommandant de favoriser systématiquement le multi-approvisionnement pour ne pas être dépendant d'une seule structure et également de favoriser les produits qui sont faits en Europe, particulièrement par le biais de critères environnementaux. Grâce à l'intense mobilisation des services des ministères concernés et particulièrement de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
La situation globale évolue désormais favorablement. Grâce à un travail efficace avec les industriels, nous avons accéléré la production et la distribution et fournissons nos officines. Pour reprendre l'exemple de l'amoxicilline, avec 1 million de flacons et boîtes, et nous continuons fort heureusement chaque jour d'alléger les tensions, de rétablir nos stocks. Grâce à des dialogues et des travaux réguliers avec l'ensemble des acteurs pour trouver les meilleures solutions, semaine après semaine, en fonction de l'évolution de la conjoncture, nous nous acheminons sûrement vers un retour à la normale. J'y veille quotidiennement. C'est ce message positif que je veux vous faire passer, même si nous devons tous rester prudents, vigilants et mobilisés. Alors, non, Monsieur Tavel, le terme de mensonge ne s'applique pas. Il serait même diffamatoire dans cette situation. Si vis pacem, parabellum veut dire l'adage latin. Si nous ne voulons pas manquer, nous devons dès à présent nous prémunir contre les défis certains que nous réserve l'avenir. C'est aussi cela la prévention. Dans un monde qui change, nous devons adapter et renforcer notre arsenal de gestion du risque. Je veux que nous soyons toujours prêts, même face aux cas de figure les plus critiques ou en cas d'aggravation potentiellement rapide de la situation sur un produit ou un autre. Le comité de pilotage dédié à la gestion des pénuries de médicaments et de produits de santé, installé au début du mois, acte très concrètement cette ambition. Sa première réunion, le 2 février, a constitué le lancement d'une phase de co-construction de 2 mois avec l'ensemble des parties prenantes autour de nouveaux axes prioritaires. Leurs propositions, issues de ce comité de pilotage, serviront à construire la nouvelle feuille de route pluriannuelle de lutte contre les pénuries de produits de santé pour 2023-2025. Elle vous sera présentée au plus tard en juin 2023. La précédente feuille de route, 2019-2022, avait déjà marqué des avancées majeures, avec notamment un plan de gestion des pénuries pour les industriels ou l'obligation de détention de stocks minimum. Mais il nous faut désormais franchir un nouveau cap. Cette nouvelle feuille de route, ce doit être notre plan d'action et notre mode opératoire, avec en premier lieu un plan de gestion pour les périodes épidémiques d'intensité importante, comme ce fut le cas cet hiver, qui nous permettent d'agir sur toute la chaîne du médicament. Une surveillance accrue des médicaments et dispositifs médicaux essentiels, critiques. Un plan blanc du médicament activable en cas de crise majeure d'une grande ampleur pour permettre de sécuriser immédiatement nos approvisionnements et la distribution des traitements et dispositifs médicaux adaptés aux besoins des Français. Dans ce cadre, nous continuons l'important travail de cartographie des risques qui a déjà été amorcé. Car c'est en connaissant nos points de faiblesse et en identifiant clairement nos priorités que nous arriverons à construire une stratégie efficace et pertinente de gestion de crise et de relocalisation de nos industries de santé. D'ici fin mai, nous stabiliserons une liste unique de médicaments et dispositifs médicaux critiques, ceux dont nous ne pouvons nous passer, sur laquelle, pour chacun, il sera établi cette cartographie des risques permettant d'identifier clairement sur quel maillon de la chaîne nous devons agir pour limiter les risques de pénurie. Anticiper, c'est la clé pour protéger au mieux nos concitoyens. C'est une première étape essentielle dans l'accomplissement de notre objectif de sécurisation des chaînes d'approvisionnement de ces molécules au niveau français et européen. Cela s'inscrit également dans la volonté de renforcer la coordination interministérielle de notre gouvernance. Mes équipes tiennent ainsi 2 fois par mois des réunions de pilotage dédiées avec celles du ministre chargé de l'Industrie pour nous assurer de l'avancée vers ces différents objectifs. Agir en cas de crise, c'est, comme cet hiver, mettre en place des mécanismes pour interdire l'exportation de médicaments déjà sur notre sol, proposer avec l'aide des professionnels de santé des médicaments de substitution, autoriser les préparations magistrales, travailler avec les industriels pour modifier leur chaîne de production, s'assurer, via les grossistes répartiteurs, une répartition homogène sur tout le territoire national, etc. Ce sont ici quelques exemples des mesures qui figureront dans le plan blanc du médicament qui sera rédigé pour l'automne. J'en profite pour... Je viens de le dire pour l'automne. J'en profite quelques instants pour parler des stocks, parce que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait Camus, et j'entends beaucoup parler de rupture, alors que le terme adéquat est plutôt celui de tension. Pourquoi ? Les travaux de l'Agence nationale de sécurité du médicament nous permettent d'identifier une diminution de nos stocks, bien avant la rupture, puisque les stocks pour tous les médicaments d'importance thérapeutique majeure sont de 2 mois, cela concerne à peu près 6 000 médicaments. Pour 422 spécialités essentielles, ils sont de 4 mois et ils ne sont que d'un mois pour 98 autres spécialités. Mesdames et messieurs les députés, je vous ai parlé de gestion de crise de pénurie. C'est essentiel. Vous avez choisi de le mettre en avant dans l'intitulé de ce débat.
Le sujet, effectivement, s'est posé avec une acuité particulière au cours de ces derniers mois, même si, vous l'avez tous rappelé, il est ancien. Je l'ai détaillé précédemment, le gouvernement s'est saisi du sujet et agit pour protéger les Français. Toutefois, une bonne politique de médicaments et même de prévention des pénuries suppose de s'intéresser plus globalement au modèle économique de l'industrie du médicament et d'adapter notre système de financement et de régulation à ses évolutions structurelles. Une bonne politique du médicament, c'est aussi celle qui investit pour soutenir la recherche, le développement et la diffusion des produits innovants et traitements de rupture. Avec 7,5 milliards d'euros dans le plan Innovation Santé 2030 pour financer recherche, innovation et souveraineté, je ne peux vous laisser dire, Monsieur Monnet, que l'État n'investit pas. C'est ce qui nous permettra de mieux soigner, de soigner toujours plus. C'est ce qui nous permettra de répondre aux défis de vieillissement en bonne santé de la population tout en maîtrisant notre dépense collective. Le dernier budget de la Sécurité sociale soutient également fortement ce secteur stratégique du médicament en permettant une croissance nette d'environ 3% entre 2022 et 2023. Cette hausse correspond très concrètement à 800 millions d'euros en montant remboursés en plus pour la seule année en cours. C'est la matérialisation de l'engagement pris par le président de la République lors du dernier Conseil stratégique des industries de santé de 2021. De plus, je veux souligner que cette croissance est à apprécier au regard du fait qu'avant 2017, le secteur des médicaments connaissait un taux de croissance quasi nul, voire négatif. Cette progression est le fruit d'efforts ambitieux et soutenus de la part de l'État, qui nous ont permis notamment d'amorcer la réindustrialisation et la relocalisation d'une partie de nos activités. Nous travaillons parallèlement à la simplification et au décloisonnement de notre système, propice au déploiement du plein effet de ces moyens pour qu'ils bénéficient à nos concitoyens. En effet, j'y reviens encore et toujours, ce qui importe in fine, c'est que les avancées scientifiques que nous soutenons soient utiles aux patients. C'est absolument essentiel, surtout lorsqu'une innovation vient de répondre à un besoin médical non couvert. Aussi, faciliter et accélérer l'accès aux traitements, notamment ceux très innovants, via leur prise en charge par l'assurance maladie, est un axe fort de notre politique du médicament. Je veux en premier lieu souligner l'élargissement de la liste dite « en sus », pour les médicaments et dispositifs médicaux dont l'amélioration du service médical rendu est mineure. Aussi, afin de permettre une équité d'accès aux soins pour les patients et offrir aux innovations un cadre d'accès au marché accéléré et simplifié, nous avons réformé notre système d'accès dérogatoire, précoce et compassionnel. C'est ainsi que la trithérapie par Kaftrio a été validée, permettant de redonner du souffle et de l'espoir aux enfants atteints de mucoviscidose. Ce sont aussi plus d'une centaine d'accès précoces qui ont été demandés par les industriels depuis le début de la réforme. À titre d'exemple, on peut citer le cas du Trodelvy, un médicament qui multiplie par deux les chances de survie globale des patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif et qui a pu être prescrit plus de 18 mois avant l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché. Notre système d'accès dérogatoire se voit également complété par l'expérimentation d'un système d'accès direct à certains produits innovants qui ont déjà une autorisation de mise sur le marché et suivant l'obtention d'un avis favorable de la Haute Autorité de Santé pour une prise en charge par l'assurance maladie. Je me réjouis de confirmer ici que les décrets permettant cette prise en charge directe sont désormais finalisés par nos services et devraient entrer en application d'ici le mois de mai prochain. Le budget de la Sécurité sociale pour 2023 a aussi introduit de nouvelles dispositions visant à optimiser l'accès au marché, notamment pour les thérapies géniques, en facilitant les modalités de paiement par les établissements de santé et en introduisant la possibilité pour l'assurance maladie d'étaler le paiement année par année au regard des résultats cliniques observés. Aller vers cette rémunération à la performance participe à l'objectif de faciliter l'accès des patients à ces produits. Garantir l'accès aux médicaments et produits de santé dans le temps, c'est finalement veiller à l'équilibre et à la soutenabilité du système qui les finance. Je le rappelle, en France, c'est notre modèle de protection sociale, unique au monde, qui permet de rembourser ces traitements très innovants, qui sont souvent très chers. Pour que l'on puisse continuer demain de prendre en charge le meilleur traitement pour chacun, il ne faut pas que cela se traduise par une explosion de la dépense collective de santé, qui in fine nuirait à notre capacité à diffuser les innovations au plus grand nombre, ou bien par la création de nouvelles pénuries par un sous-investissement dans des produits plus matures, structurellement moins rentables pour les industriels, mais tout autant indispensable. Vous le savez comme moi, les revendications tarifaires des laboratoires sont souvent extrêmement élevées. Aussi, pour des produits présentant un intérêt médical parfois insuffisamment innovant ou qui n'en ont pas suffisamment fait la preuve. Un article très récent, publié dans le réputé British Medical Journal,
nous oblige à nous intéresser collectivement sur la construction du prix de l'innovation. Quelques messages clés de cet article. De 1999 à 2018, les 15 plus grandes entreprises biopharmaceutiques du monde ont dépensé plus pour leur activité commerciale, générale et administrative que pour la recherche et le développement. La plupart des nouveaux médicaments développés pendant cette période n'offraient que peu ou pas d'avantages cliniques sur les médicaments existants. L'industrie pourrait générer plus d'innovations, plus intéressantes sur le plan médical et plus abordables avec les ressources existantes. Une action gouvernementale est nécessaire pour encourager la recherche et le développement axés sur des priorités de santé publique. C'est ce que nous faisons. Il faut favoriser l'innovation, financer les nouveaux produits. Oui, mais au bon prix et en protégeant en même temps les produits anciens qui ont fait leurs preuves. Aussi, il y a besoin aujourd'hui de réinterroger certains mécanismes de régulation et de financement qui sont en place depuis de nombreuses années. Certaines pistes ont pu être travaillées dans le cadre des débats budgétaires de l'automne. Je suis persuadé que nous devons trouver les voies et moyens, en associant les industriels au dialogue, de mettre en place une régulation macroéconomique ciblant des produits dont les dépenses croissent de manière anormalement dynamique et présentant un impact budgétaire important. En prévoyant bien sûr un mécanisme de préservation des entreprises commercialisant des produits matures qui ne participent pas à la croissance du marché ou des produits très innovants. Pour avancer sur ce chemin, nous mettons en place avec Bercy, sous l'égide de la Première ministre, une mission conjointe de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale des finances, avec l'appui de personnalités qualifiées, pour formuler des propositions nous permettant de faire évoluer notre mécanisme de financement et de régulation des médicaments et produits de santé. Tout cela, mesdames et messieurs, dans un contexte communautaire auquel je suis attaché et que la France entend résolument renforcer et promouvoir. C'est bien en effet l'Union européenne l'échelon pertinent pour assurer notre souveraineté et une sécurité d'approvisionnement. Nos différents travaux s'inscrivent à ce titre dans la prochaine révision par la Commission européenne de sa stratégie pharmaceutique pour mieux gérer les stocks et anticiper les pénuries. Mesdames les députées, messieurs les députés, toute la complexité de la politique du médicament réside dans le fait qu'elle nécessite de concilier une multiplicité de desseins dans des systèmes de plus en plus mouvants et interdépendants. C'est ainsi que, pour nous y retrouver, nous devons être guidés par une unique boussole et nous appuyer sur des valeurs solides. Les valeurs de notre système de santé publique, qui sont celles d'une solidarité motivée par l'objectif ultime de garantir à chacune et à chacun de nos concitoyens des soins adaptés et de qualité, accessibles dès lors qu'ils en ont besoin. Je sais que cet objectif, nous le partageons, et je sais que je peux compter sur votre pleine mobilisation pour construire, avec la Première ministre et le gouvernement, la politique du médicament qui permettra de l'accomplir. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous en venons aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions ainsi que celle des réponses est limitée à 2 minutes, sans droit de réplique. Nous commençons avec Monsieur Le Seul pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, les pénuries de médicaments compromettent le droit effectif à la santé, augmentent les pertes de chance et menacent la santé publique. Pourquoi ces pénuries durent-elles autant qu'elles se multiplient ? En grande partie parce que nous avons délocalisé notre production. Il n'existe plus que 24 fabricants de matières premières pour les médicaments en France contre 350 en Chine et en Inde. Relocaliser est donc un enjeu de santé publique, un enjeu de souveraineté. J'ai mené un rapport d'enquête il y a un an pour comprendre et remédier à ce funeste processus de délocalisation de l'industrie du médicament et j'y ai notamment pointé la continuité d'approvisionnement des médicaments et en particulier des médicaments vitaux, une priorité. C'est la recommandation 55 et 65. Pour cela, il faut élaborer un plan national de mobilisation pour garantir la disponibilité des produits de santé en cas de crise. Reco 55. Mettre en place des instruments de suivi des disponibilités et d'anticipation des pénuries. Reco 55A. Mieux financer la recherche. Reco 25-26. Accompagner les industriels souhaitant se réinstaller sur notre territoire et conditionner
conditionnaliser pardon, l'ensemble des aides publiques à la relocalisation. Ce sont les recours 27 et 43. Alors, pourquoi ne pas envisager de conditionnaliser l'attribution d'aides publiques, y compris le crédit impôt recherche, à la localisation des chaînes de production, afin de s'assurer que les deniers publics aident effectivement les entreprises de nos territoires? De plus, pourquoi ne pas étendre les mécanismes en place pour la grippe saisonnière aux autres pathologies hivernales pour mieux anticiper? La loi de finances pour la sécurité sociale pour 2022 prévoit à son article 65 que la fixation du tarif de certains médicaments puisse également tenir compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français. Ce dispositif ne me semble pas activé. Pourquoi? Et puis, par ailleurs, il y a un an, la France présidait le Conseil de l'Union européenne. C'était une occasion rare de porter au niveau européen nos priorités et nos ambitions. Dans le rapport, nous proposions de relocaliser en Europe, et vous avez raison, il faut définir au niveau communautaire la bonne implantation géographique de la production des médicaments. Et enfin, je proposais de renforcer ERA, l'autorité européenne, et de la doter d'un budget propre. Monsieur le ministre, que votre gouvernement a-t-il obtenu de l'Union européenne? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Monsieur le député Le Seul. Alors, remettre en place en France, bien entendu, des chaînes de production, c'est ce à quoi nous nous attachons depuis maintenant plusieurs années. Cette localisation des chaînes de production n'est pas si simple à faire, en particulier en ce qui concerne favoriser les produits issus de nos propres chaînes de production dans le marché intérieur. Vous savez que c'est compliqué et ça peut se heurter par rapport à la liberté du marché, même si nous avons pris quand même des décisions pour favoriser, je le disais tout à l'heure, par le biais de critères environnementaux, des productions qui pourraient être faites sur notre sol. Pour revenir au rôle de la France au niveau européen, la France a eu un rôle prépondérant dans la construction de la stratégie de l'Union européenne par rapport à ces pénuries de médicaments, un rôle d'impulsion de cette stratégie avec nos différents partenaires. Alors, le rôle de ERA, c'est essentiellement la préparation et l'anticipation des crises sanitaires. Il n'est pas directement lié au niveau du médicament, mais pourtant, ERA, dans le cadre d'appels à projets, a permis à la France, d'ailleurs, de remporter un de ces appels à projets sur le médicament dans un champ particulier, qui est le champ des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, pour constituer des stocks. Et c'est une somme de 150 millions d'euros qui nous permet, au titre de l'Europe et pour ERA, de constituer ces stocks. Il existe un travail identique aujourd'hui dans le cadre des antimicrobiens qui va nous permettre là aussi peut-être d'avoir ce marché, sinon de le garantir au niveau européen. Donc cette stratégie au niveau européen, en ce qui concernera pour l'instant, est limitée à cette notion de crise. Elle nous permet quand même de faire passer un certain nombre de médicaments en avant et c'est ce que nous faisons. Maintenant, avoir une logique beaucoup plus européenne et se rapprocher, Vous l'avez suggéré, de ce que nous avons pu faire, certes ce qu'on peut faire pendant l'hiver sur certains produits et certains vaccins, mais aussi ce que nous avons fait, rappelons-nous, pendant la crise sanitaire, à savoir se mettre ensemble au niveau européen pour acquérir des vaccins, ce qui nous a permis de garantir la production et la délivrance des vaccins au niveau de la France et au niveau européen, et aussi de garantir des prix beaucoup plus intéressants. Je vous remercie. La parole est à Madame Bellamy du groupe Horizon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Comme nous l'avons largement signalé précédemment, dans nos circonscriptions, nous avons tous rencontré des citoyens ou des officines en rupture de certains médicaments. Cela provoque à juste titre une certaine impatience ou de l'inquiétude. D'autant plus que nous sortons d'une période de pandémie où nous avons connu des pénuries. Nous connaissons également les périodes marquées par des superpositions d'épidémies, notamment hivernales. Dans ce contexte, les demandes se sont concentrées sur certaines spécialités de médicaments et ont, par conséquence, provoqué des pénuries. Je pense par exemple à l'amoxicilline, comme nous avons dit, et aux quelques 3000 autres molécules qui ont manqué largement. Le constat partagé est que ces épisodes de pénurie sont de plus en plus fréquents et nécessitent donc une réflexion collective. Le gouvernement s'était évidemment emparé de ce défi. À cet égard, 90 entreprises françaises et internationales ont récemment été reçues. Monsieur le ministre, la relocalisation de la production de certains principes actifs est un enjeu de souveraineté, nous l'avons dit. Nous connaissons la relance de la production du paracétamol en Isère avec le soutien du plan France Relance. Quels sont les autres projets de réindustrialisation en cours permettant de renforcer l'indépendance sanitaire de notre pays? Pour faire bien, pour donner des perspectives à long terme,
demandée par l'industrie pharmaceutique. Pourriez-vous préciser la stratégie qui sera proposée par la mission interministérielle créée par Madame la Première ministre sur l'amélioration des mécanismes de régulation et de financement des produits de santé? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Bellamy, Mesdames et Messieurs les députés, la relocalisation, la souveraineté est un enjeu majeur, je vous l'ai dit tout à l'heure bien entendu, mais au-delà de ce principe de relocalisation, il faut aussi penser à maintenir en France les entreprises qui produisent déjà chez nous. Je vous dis ça pour mettre en exergue ce qui est en train de se passer avec la société Carlyle. La société Carlyle est une société du Nord qui produit des poches de perfusion, qui était en redressement judiciaire, et que nous avons pu, avec une intervention conjointe du ministère de l'Industrie et du ministère de la Santé et de la Prévention, amener vers un rachat en cours par la société Delpharm, qui est une société française. Donc, il y a certes la localisation, mais n'oublions pas aussi tous les efforts que nous devons faire pour maintenir en France des dispositifs médicaux et des médicaments qui sont déjà produits. Alors, au niveau un peu plus large, bien sûr, nous travaillons dans le domaine de la relocalisation. Je ne vais pas parler de secret des affaires, mais vous comprendrez que, comme certains sujets ne sont pas aboutis pour l'instant, il m'est très difficile d'en parler trop librement. Nous travaillons dans le champ des vaccins. Nous travaillons, bien sûr, dans le champ également d'autres projets. On parle également d'anti-infectieux. Il y a un travail sur les dispositifs médicaux, vous vous en doutez, sur les gants et les masques, qui commence à être bien avancé. Mais nous aurons tous ces résultats dans les semaines et mois qui viennent. Je voudrais surtout préciser encore une chose, c'est de dire que ce sont par rapport aux médicaments essentiels que nous devons surtout nous atteler à sécuriser ces productions et refaire ces relocalisations en France. Nous aurons à peu près 200 médicaments dans cette liste de médicaments essentiels, une cinquantaine de dispositifs médicaux. Il est très difficile de projeter sur la liste qui aurait pu être faite dans d'autres produits, dans d'autres pays, y compris limitrophes, car les habitudes médicales sont différentes, mais en tout cas, ce sera notre investissement. Dernier point, dans le cadre de Choose France, bien entendu, nous sommes en contact avec les industriels pour au maximum les faire revenir travailler en France. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Taché du groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, vous nous dites depuis tout à l'heure que renforcer la sécurité sanitaire du médicament, des produits de santé est une priorité et nous ne pouvons que croire que effectivement c'est votre priorité, que la santé publique ne doit jamais être finalement sacrifiée au profit des intérêts économiques. Mais on le sait, les laboratoires pharmaceutiques, les lobbies industriels, les big pharma comme on les appelle, n'ont pas qu'une dimension nationale, ils ont une dimension internationale. Et depuis tout à l'heure, vous nous répondez avec des réponses qui sont, enfin avec des propositions qui ne sont pensées qu'à l'échelle nationale. Comment finalement, face à cette perte de souveraineté que nous avons pu identifier au moment du Covid, que nous avons pu identifier depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, avancer un petit peu sur le plan international en matière de réponse médicale, en matière de réponse sanitaire, en matière de réponse sur la construction des médicaments? Nous, écologistes, nous demandons depuis très longtemps un véritable système européen de sécurité sanitaire, indépendant de tout intérêt économique. Vous l'avez dit, l'échelon pertinent serait l'Union européenne pour répondre à cette crise sanitaire et sur les médicaments. Mais toutes les réponses concrètes que vous avez évoquées dans votre propos et que vous évoquez ne sont pensées qu'à l'échelon national. Donc, quelle réponse face à ça? On nous dit que la Commission européenne est en train de réfléchir à une stratégie pharmaceutique véritablement européenne. Comment comptez-vous peser dans ce débat? Quelles mesures concrètes, finalement, la France va-t-elle porter et décliner pour que cette stratégie européenne ne soit autre chose qu'une simple... que quelque chose qui reste trop théorique? Je vous remercie d'avance de votre réponse. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Taché, merci de me donner l'occasion de parler de cette stratégie pharmaceutique pour l'Europe, pour laquelle nous avons un rendez-vous à la fin du premier trimestre 2023 pour la publication d'un texte européen. Alors, dans cette stratégie, je me bats, bien sûr, pour les intérêts de la France et mettre en avant ce que nous défendons dans notre système de santé. Tout d'abord, et ça peut sembler un peu bête, mais une harmonisation des définitions à l'échelle européenne. On a vu tout à l'heure les questions entre pénurie, entre rupture, entre tension. Il est bon que tous les pays européens parlent de la même chose au même moment. Ça nous permettra de mieux nous comprendre et de mieux travailler pour lutter contre les pénuries. Enfin,
renforcer l'obligation d'approvisionnement et surtout l'obligation de transparence par une déclaration précoce des ruptures par les industriels. L'Agence nationale de sécurité du médicament, je vous le disais tout à l'heure, gère des stocks et des durées de stock entre 4 mois et 1 mois. Il est bon également que ces principes de stock soient essaimés à travers l'Europe et que nous ayons les mêmes principes de stock. En tout cas, c'est pour cela que je me bats au niveau de la Commission européenne. Enfin, des stocks de sécurité, on parlait de HERA tout à l'heure, c'est dans ce cadre-là, et également un plan pénurie qui doivent être partout le même en Europe. Autre point, bien entendu, mais on en a parlé, la relocalisation de la production et enfin une coopération entre pays européens sur les inspections, puisque lorsqu'un produit est fabriqué dans un autre pays européen, il serait bon que les critères d'inspection sur la qualité du produit, sur la qualité de la production que nous utilisions en France, soient les mêmes dans les autres pays européens. Donc voilà les actions en tout cas que je mène actuellement dans l'aboutissement de ce texte européen sur les médicaments. Je vous remercie. La parole est à Madame Kerbidi du groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je souhaite vous interpeller sur la pénurie de médicaments à l'île de la Réunion. Les principales causes de cette pénurie ne sont pas étrangères aux raisons qui ont déjà été évoquées sur les différents bancs de l'Assemblée. Mais cependant, l'éloignement et l'insularité rajoutent, comme vous le savez, aux difficultés. En cas de pénurie fréquente ou durable, nous sommes plus fortement et plus longuement impactés. C'est pourquoi... À La Réunion, nous devons faire plus de stocks. Les médicaments arrivent principalement par voie maritime et les délais d'acheminement sont de 1 à 3 mois. La première difficulté, c'est notre port. C'est le poumon économique de l'île et pourtant il est sous-dimensionné par rapport aux besoins d'importation. Plus de 93% de ce qui arrive à La Réunion est importé. Et il arrive fréquemment que les bateaux soient déroutés vers d'autres ports, puisque lorsqu'ils arrivent, ils ne peuvent pas accoster et ils n'attendent pas, pour des raisons économiques, ils vont ailleurs. Les conteneurs de médicaments n'échappent pas à la règle et donc ils sont débarqués dans d'autres ports. Pour les réacheminer, il faut que l'importateur paye le coût de l'acheminement, et je ne vous parle même pas des délais. Autre difficulté, je vous disais, les stocks. On est obligé de stocker davantage qu'en Hexagone et les pharmaciens hospitaliers notamment sont confrontés à des difficultés de stockage. Face aux deux problèmes que je viens d'évoquer, il nous arrive de plus en plus fréquemment face aux pénuries de devoir importer des médicaments par voie aérienne. Et là, bizarrement, le médicament n'est pas prioritaire. Les places en soute sont chères, elles sont limitées et les médicaments sont traités de la même façon que n'importe quel produit. Les différents importateurs ont proposé à l'ARS de mettre en place une solution qui serait d'organiser un système de réservation de capacité de fret aérien pour que lorsque nous sommes confrontés à des problèmes de pénurie graves et urgents, nous puissions importer des médicaments par voie aérienne dans des délais raisonnables. Pour résumer, Monsieur le Ministre, capacité aéroportuaire, capacité de stockage, capacité à agir en cas d'urgence, La Réunion est confrontée à ces défis qui lui sont propres. Est-ce que l'État est prêt à nous aider à faire face à ces défis? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Ministre. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Madame la députée Kerbidi. Vous avez raison, dans nos territoires d'outre-mer et à La Réunion, bien sûr, le prix des médicaments, remboursables ou non, des dispositifs médicaux, de la parapharmacie, sont souvent plus élevés qu'en métropole, beaucoup plus élevés qu'en métropole. La principale différence, elle est, vous l'avez dit, liée à des contraintes logistiques, des contraintes d'acheminement qui entraînent un surcoût pour les grossistes répartiteurs. Ce n'est pas de la responsabilité directe de l'État ni de l'assurance maladie, mais c'est un fait. Il y a en plus une question spécifique dans les territoires ultramarins que vous connaissez bien, qui est l'octroi de mer. Le montant de cette taxe fixé par les territoires et les recettes sont reversées aux communes locales. En conséquence, les répartiteurs, les officinaux achètent des produits encore plus chers qu'en métropole. Pour compenser ce surcoût, le prix de vente des médicaments est majoré par l'application d'un coefficient. Chaque territoire a un coefficient qui lui est propre, déterminé en fonction du niveau de vie de la population, de l'éloignement de la métropole, mais aussi des négociations entre les syndicats et la sécurité sociale. Un coefficient est également accordé aux répartiteurs afin de compenser les coûts de transport, les frais de douane, ainsi que les coûts associés au surstockage. Vous avez entièrement raison, il y a une nécessité de surstockage dans nos outre-mer. Bien sûr, s'il y a un problème d'adéquation entre cette compensation et la réalité du marché aujourd'hui, il faut qu'on le regarde de très près et je suis à votre disposition pour cela. Je tiens quand même à rappeler que les remboursements se font quand même à l'euro près pour les médicaments remboursés. L'enjeu du reste à charge
reste quand même important pour le coût des médicaments qui ne seraient pas remboursés. Et c'est peut-être cela qui donne cette impression de surcoût important. En ce qui concerne des réservations de capacité du stock aérien, j'aurais tendance à vous dire que lorsqu'il y a eu ces épidémies de Covid, nous avons fait des transferts par avion de patients par la Réunion. Ça me semble tout à fait réaliste d'envisager des transferts par avion de médicaments en cas de rupture brutale de stock au niveau de la Réunion. Et en tout cas, je m'y engage. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Molac du groupe Libertin Dépendants Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Donc, pour préparer cette intervention, j'ai choisi, comme un certain nombre de collègues, en fait, de solliciter en la matière les acteurs de ma circonscription. En effet, parce que les pénuries ne sont pas nouvelles, même si elles n'ont jamais été aussi fortes, certaines firmes ont fait le choix de sécuriser leurs approvisionnements. C'est le cas de Next Pharma, dont l'un des sites de production se trouve à Pleurmel, sur ma circonscription. Chez eux, 80% des principes actifs sont fabriqués en Europe, 17% en Amérique du Nord et seulement 3% en Asie. Avec ce choix, dans le contexte que nous connaissons, elle ne rencontre que de très rares difficultés d'approvisionnement. En pensant sécurisation, elle a relocalisé et donc simplifié ses flux et en ressort aujourd'hui gagnante. Mais preuve que nous avons encore des efforts à fournir, elle doit faire face à un obstacle majeur en ce qui concerne un nouveau médicament, qui est celui du prix du remboursement. En effet, avec une entreprise partenaire, elle ambitionne de mettre sur le marché un médicament qui a fait ses preuves aux États-Unis dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Son projet est déjà ficelé avec une fabrication des principes actifs en France, fabrication de médicaments en France et un packaging opéré en France. Mais parce que la politique du remboursement des médicaments ne prend pas en compte les critères de territorialité, le prix du remboursement proposé actuellement par les autorités ne couvre pas le prix de revient. En clair, au vu des prix de remboursement proposés, le fabricant aurait tout intérêt à externaliser, à penser à ses étapes de fabrication en Asie, où il bénéficierait d'un coût de production moins élevé. Donc je souhaite vous interroger, Monsieur le Ministre, et voir comment, finalement, on va prendre en compte ce coût de fabrication différentiel avec une relocalisation et une reterritorialisation qui nous permettrait effectivement d'être autonomes. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Molac, je vous remercie pour votre question. Nous avons effectivement été sollicités par le laboratoire en question il y a peu, afin de savoir quelle suite nous souhaitons donner au dossier. Dans le cas précis, le produit fabriqué en France a fait l'objet d'une évaluation en 2022 par la Haute Autorité de Santé. Cette évaluation a validé l'intérêt du produit dans la prise en charge pour réduire le risque d'événements cardiovasculaires. Néanmoins, les études cliniques fournies au dossier pour le médicament auquel vous faites référence n'ont pas permis de démontrer un intérêt par rapport à la stratégie thérapeutique actuelle. Or, aujourd'hui, vous le savez, le premier critère qui est regardé par le Comité économique des produits de santé pour fixer le prix d'un médicament est de regarder l'intérêt d'un produit par rapport aux autres existant déjà sur le marché. L'entreprise qui commercialise le produit demande un tarif 6 fois supérieur à celui de ses équivalents. Nous comprenons, nous convergeons sur le besoin de prendre en compte le critère de territorialité, mais nous y travaillons d'ailleurs fortement depuis de nombreux mois, mais le fait de produire en France ne justifie pas que l'assurance maladie paye un traitement équivalent 6 fois plus cher que ses concurrents. Enfin, pour vous repréciser la stratégie du gouvernement, pour favoriser les relocalisations, je ne reviendrai pas sur l'article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale 2022, ni les mesures que nous avons mises en place pour les produits qui améliorent le service médical rendu de majeurs à moyens, qui eux sont éligibles différemment et sur des procédures accélérées. Cette production française peut être favorisée, mais dans des limites raisonnables, bien entendu, de produits qui apportent déjà un plus pour les patients et qui ne multiplient pas par 6 le produit déjà existant. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bellada du groupe Renaissance. Merci, Madame Jaffin Klaba. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question concerne la pénurie de certains médicaments opérés au moment de la pénurie du Covid-19 et qui touche encore notre pays. Les ruptures d'approvisionnement de médicaments ont été multipliées par 20 en 10 ans. Nous vivons ici les conséquences de délocalisation de production opérées au bénéfice de la Chine, de l'Inde et d'autres pays d'Asie afin de faire baisser les coûts de production, ça a été dit tout à l'heure.
Et depuis plusieurs mois, nos pharmacies manquent notamment d'amoxicilline, l'antibiotique le plus prescrit aux enfants, et au paracétamol, le principe actif du doliprane. Un Français sur quatre est concerné par cette pénurie sur les génériques cancer, hypertension et antidouleur. Et un récent rapport a montré notre hyperdépendance à ces pays d'Asie en ce qui concerne ces médicaments et le matériel médical. Cette situation n'est plus acceptable. Nous devons reconquérir notre indépendance sanitaire. J'ai noté vos prises de position sur le sujet, Monsieur le Ministre, et je veux les saluer. Votre action s'inscrit parfaitement dans le sens des recommandations, notamment du Parlement européen. Et ma question et les orientations que je veux indiquer là s'inscrivent dans cette démarche européenne que vous avez évoquée à plusieurs reprises ce soir, notamment sécuriser l'approvisionnement et décider des mesures fortes de relocalisation des productions de substances actives, envisager la création d'établissements sans but lucratif pour produire certains médicaments, mettre en place par exemple une réserve européenne commune des médicaments type anti-cancer et anti-infection, créer par exemple une plus grande transparence du chemin de la distribution et une plus grande coopération européenne. Et puis enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, investir massivement dans la recherche. Monsieur le ministre, comment la France continuera-t-elle à travers vous et votre administration à appuyer ces pistes de travail? Merci. Je vous remercie. La parole est à monsieur le ministre. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Belhadad. Alors, reconquérir notre indépendance sanitaire, vous avez tout à fait raison, c'est un objectif majeur et que nous devons bien entendu à nos concitoyens. Comme je vous le disais, j'ai réuni récemment l'ensemble des membres de la filière en leur précisant que c'était bien une action collective qui allait nous permettre de sortir de cette situation et que dans cette action collective, le premier objectif n'était pas de chercher les responsabilités des uns ou des autres, mais de bien de définir pour l'ensemble des médicaments essentiels l'ensemble de la chaîne de production, l'ensemble de la chaîne depuis la fabrication du principe actif jusqu'à la délivrance auprès du pharmacien et auprès du patient, d'identifier tous les points de blocage et de noter à chaque fois les mesures à mettre en œuvre pour libérer ces points de blocage. Nous avons déjà commencé le travail avec une vingtaine de médicaments, qui sont des médicaments de cardiologie et des médicaments d'anesthésie-réanimation. Nous allons l'étendre, je le disais tout à l'heure, à peu près 200 médicaments et une vingtaine ou une cinquantaine de dispositifs médicaux essentiels. Ceci s'inscrit dans une stratégie globale, je le disais, cette stratégie pénurie de médicaments 2023-2025, avec, au-delà de cette définition des médicaments essentiels, une reprise aussi du bon usage des médicaments. Je ne reviendrai pas sur ce que tout le monde sait, mais que personne n'a dit aujourd'hui, qui est que la France est extrêmement prescripteur de médicaments, en particulier d'antibiotiques, en particulier de paracétamol, et qu'il y a là aussi à faire de l'information un peu plus précise auprès des différents prescripteurs. Il va aussi de la préparation de réserves. L'hiver arrive tous les ans à la même époque, et tous les ans, nous avons les mêmes productions de médicaments. Si les industriels ne permettent pas de sécuriser leurs stocks, nous devons probablement faire comme les stocks stratégiques. Ça fait partie des réflexions que nous suivons. Et puis, je parlais du plan blanc du médicament, ces mesures d'urgence que nous mettrons en place dès lors que nous sommes dépassés par la situation. Nous en avions déjà eu un exemple cet hiver. C'est donc une stratégie globale qui doit prendre l'ensemble de la filière et différents niveaux d'alerte en fonction de la tension qui est envisagée. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Chandler du groupe Renaissance. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, à l'hiver dernier, l'hôpital public a connu de nombreuses tensions sous l'effet de trois épidémies distinctes, la grippe, la Covid-19, la bronchiolite. Dans cette situation, il nous faut saluer l'engagement et l'abnégation des médecins et des soignants sans qui cette situation aurait viré au drame. Ces trois épidémies ont amené à des manques de quelque 3000 médicaments cet hiver, notamment l'amoxicilline, dans sa version pédiatrique, a manqué. Certains ont accusé le manque d'attractivité du marché français pour expliquer le manque de ce médicament essentiel. On ne demande qu'à les croire, mais comment expliquer ces manques en Autriche ou en Italie, alors que ces marchés sont considérés par ceux-là même qui parlent de manque d'attractivité pour la France? Ce qui est inquiétant dans la situation actuelle, ce sont les manques et les ruptures dans les médicaments destinés aux plus jeunes, qui en ont particulièrement besoin face à des maladies pour lesquelles ils ne sont pas encore vaccinés pour certaines. La crainte de nombreux parents, c'est que demain, ce n'est pas l'amoxicilline dont l'accès sera rendu plus difficile, mais le paracétamol ou l'ibuprofène. Il faut pour cela un effort sans faille de réindustrialisation afin que la France non seulement recouvre une part de sa souveraineté pharmaceutique, mais aussi de sa souveraineté sanitaire et surtout qu'elle retrouve la place qui est la sienne dans la chaîne de valeur du médicament.
Ma question, monsieur le ministre, est donc la suivante. Comment entendez-vous garantir la tranquillité des nombreux parents de notre pays en assurant la sécurité de l'approvisionnement en médicaments pour les plus jeunes dès la naissance et pour les plus fragiles? Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, madame la présidente, madame la députée Chandler, mesdames et messieurs les députés. Je pense avoir répondu sur le fond du problème. Mais derrière le fond de ce problème, derrière cette politique du médicament, il n'y a malheureusement pas que des chiffres, vous l'avez dit. Et cet hiver, ce sont des situations qui ont touché de près l'ensemble de nos concitoyens, qui ont pu être parfois extrêmement stressantes, je le disais tout à l'heure, voire dramatiques, lorsque l'on courait de pharmacie en pharmacie pour trouver un médicament. Alors, les solutions, elles peuvent peut-être se résumer en trois mots. Anticiper, transparence et information. Anticiper, c'est anticiper sur ces crises du médicament. C'est ce que j'exposais à l'instant, monsieur le député Belhadad, sur notre stratégie de l'ensemble de la filière. Transparence malheureusement trop souvent absente de nos discussions avec les industriels, même si je dois le reconnaître que la situation s'améliore très nettement et nous pouvons maintenant avoir une visibilité un peu meilleure. Pourquoi transparence? Je disais cet hiver, par exemple, que nous sortions et que certains médicaments étaient de nouveau disponibles, en particulier le paracétamol. C'est ce que me disaient les industriels, mais les pharmaciens dans les officines me disaient « mais nous n'en avons pas ». Donc il a fallu identifier où était le blocage et cette transparence doit nous le permettre. Enfin, information des médecins prescripteurs, je le disais, information des patients sur le bon usage des médicaments, je ne reviendrai pas sur les slogans du bon usage des antibiotiques, et puis information des pharmaciens, et j'en profite pour saluer le travail qui a été effectué cet hiver par les pharmaciens, qui effectivement, cela a été dit, ont passé énormément de temps à trouver des différents des médicaments. Et enfin, de par l'intitulé de mon ministère, je ne peux m'empêcher d'en profiter pour vous parler de la prévention, parce que la prévention permet d'éviter de prendre des médicaments. Je ne reviendrai pas sur le sport santé qui permet d'éviter les maladies cardiovasculaires et qui permet de diminuer les prises de traitement d'antihypertenseurs qui représentent 1 milliard d'euros par an dans notre pays. Et puis, un dernier mot, puisque je parle de prévention, sur la vaccination contre le papillomavirus qui a été lancée hier par le président de la République, qui va nous permettre d'éradiquer à échelle 20 à 30 ans les cancers du col de l'utérus. Cancer du col de l'utérus qui tue 1000 femmes par an et qui coûte 250 millions à notre sécurité sociale tous les ans. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Lozana du groupe Renaissance. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, dans le cadre du plan Innovation Santé 2030, le gouvernement a mis en place une véritable politique du médicament comprenant un axe majeur en matière d'indépendance industrielle et de relocalisation, en particulier pour le paracétamol. Je veux prendre l'exemple d'une entreprise de ma circonscription, UPSA, qui a diversifié la provenance du principe actif malgré un coût plus élevé. Elle a pu faire fonctionner donc ses usines 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pardon, et réaffecter 1 million de flacons de paracétamol pédiatrique au marché français. Le ministre, d'ailleurs, Roland Lescure, est venu saluer par sa visite le travail des 1 400 collaborateurs de l'entreprise, qui a permis donc d'éviter la pénurie de paracétamol dans notre pays. Pourtant, cette entreprise ne fait pas de bénéfice sur le sol français, car le prix de vente de ce produit dit mature est trop bas et l'empreinte territoriale n'est pas prise en compte dans le coût de production. De plus, la clause de sauvegarde avec le taux M désavantage lourdement les produits matures par rapport aux produits innovants. Tout cela porte atteinte donc à la compétitivité, à la souveraineté du secteur industriel pharmaceutique français. Des solutions existent, monsieur le ministre. Les Allemands nous ont montré la voie, par exemple en relevant le prix de ces médicaments matures. Une autre solution serait d'exempter les produits matures du calcul de ce montant M. Cela permettrait d'une part de préserver nos productions françaises, mais également d'investir dans la sécurité des chaînes d'approvisionnement pour assurer aux patients l'accès à leur traitement. Ainsi, monsieur le ministre, je vous sais pleinement engagé dans la mission lancée fin janvier par la Première ministre pour repenser intégralement la régulation et le financement des produits de santé. Pouvez-vous nous indiquer si ces solutions peuvent être envisagées lors des conclusions de cette mission? À défaut, quelles sont les pistes de travail et le calendrier de cette mission, si nécessaire, pour l'accès aux médicaments des Français? Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Lozana. Je viens de rappeler que, ce que je disais tout à l'heure, les dépenses du médicament ont eu une croissance depuis 2016, qui était inédite jusqu'à présent, plus de 800 millions d'euros de plus cette année, et une croissance
garantie à plus 3% selon les engagements du président de la République dans le cadre du CSIS de 2021. Alors, sur les prix de médicaments et lorsqu'on veut se comparer avec l'Europe, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'harmonisation des définitions, il faut être très prudent entre le prix facial et le vrai prix que payent les pays, d'où cette nécessité de transparence. N'oublions jamais qu'en France, ce sont 60 millions de nos concitoyens qui bénéficient d'un remboursement de leur traitement, quel que soit le prix de ce traitement, par la Sécurité sociale. Vous parliez de l'Allemagne, ce n'est pas du tout pareil, puisqu'en Allemagne, qui est fédérale, vous le savez bien, chaque land décide d'une adaptation du prix des médicaments et décide surtout, en fonction des organismes de Sécurité sociale, il y en a plus d'une centaine en Allemagne, chacun avec des règles de remboursement différentes. C'est donc très difficile d'appliquer exactement la même chose. Par contre, nous devons avoir besoin d'agilité, c'est toutes les mesures sur les accès précoces ou les accès compassionnels, par exemple, qui sont en place. Concernant les médicaments matures, plus particulièrement les médicaments génériques, en attendant les résultats de cette mission lancée par la Première ministre, dont bien sûr je ne pourrai pas ici vous dire les conclusions, et on les aura dans quelques semaines maintenant, nous avons fait un moratoire sur les médicaments génériques pour ne plus baisser les prix. Nous avons demandé de la transparence aux industriels pour évaluer le réel coût de production de ces médicaments, avec la possibilité d'augmenter le prix de vente pour qu'il corresponde au coût de production. En tout cas, ce sont les mesures que nous prenons en attente des résultats de cette mission. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Loire du groupe Rassemblement National. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, depuis de nombreuses années, l'ensemble de la classe politique parle de réindustrialisation, de risques de pénurie, de manque d'entreprises pharmaceutiques. Pourtant, le bilan de ces agitations politiciennes est catastrophique. On comptait en 2010 89 ruptures de stock recensées pour 2446 en 2020. La France se vantait d'être le fleuron de l'industrie pharmaceutique mondiale. Et, à l'instar de la majorité de notre industrie, nous sommes désormais relégués à un statut de pays en voie de développement sur un plan pharmaceutique, pour ne pas dire un pays tiers-mondisé. Votre modèle axé sur le profit mène l'Europe à importer 80% de leurs médicaments directement de Chine ou de l'Inde. Encore une fois, au moment où l'Asie se préparait à prendre le monopole du nouveau marché, la France s'effondrait. La France est dépendante de ces pays car la majeure partie des participatifs pharmaceutiques sont produits là-bas. À chaque perturbation du marché, la France est donc sujette à ces nouvelles pénuries de médicaments. D'après l'Agence nationale de sécurité du médicament, environ 3000 molécules ont fait l'objet de ruptures de stock cet hiver. Allez-vous continuer dans ces travers ? Des modèles d'industrie pharmaceutique existent pourtant sur le sol national. Delpharm ou GSK à Évreux, dans ma circonscription, en sont de bons exemples. Monsieur le ministre, vous et votre gouvernement, comptez-vous enfin arrêter de promettre sans agir et bel et bien relancer notre industrie pharmaceutique française? À défaut, la crise du coronavirus n'aura servi que de prémisse aux multiples pandémies qui nous tomberont dessus. Merci. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Loire, je pense avoir essayé d'expliquer tout à l'heure ce que voulait dire le terme de stock et le terme de rupture. Rupture de stock ne veut pas dire qu'on n'a plus de médicaments. Je veux juste préciser cela. Quand on a une rupture de stock et qu'on a un stock à 4 mois, on a encore de quoi venir pour traiter les patients et on ne les met pas en danger, contrairement à ce que je peux toujours entendre. Alors que la mondialisation ait des effets néfastes sur l'industrie du médicament, que les productions de principes actifs soient faites à l'autre bout du monde, oui, c'est une réalité. Mais là aussi, ce n'est pas en claquant des doigts que nous arriverons à faire cette relocalisation de l'ensemble des produits actifs. Je pense que j'ai expliqué longuement cette soirée ce que nous mettons en place, non seulement pour sécuriser les médicaments auprès des Français, mais également pour les mesures de relocalisation en France et en Europe. Vous parliez de Delpharm. Oui, Delpharm, nous l'avons aidé et nous l'aidons pour la reprise, je le disais tout à l'heure, de Carlyde, donc une société qui produit des flacons de perfusion dans notre pays. C'est cela aussi l'image très concrète de ce que nous faisons tous les jours avec mon collègue Roland Lescure.
Alors, cette politique, vous l'avez bien compris, elle est globale. Il faut la prendre du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. Elle a différents leviers. La relocalisation en France et en Europe en est un, mais ce n'est pas le seul. Je veux simplement vous alerter sur le fait de se concentrer sur un seul producteur d'un médicament, même s'il est en France, nous mettra tout aussi en danger s'il y a un problème. C'est bien tout l'enjeu de cette analyse de chaîne de risque que nous faisons et ce que nous demandons aux établissements de santé d'ailleurs, de multiplier les producteurs de leurs médicaments pour éviter que sur un seul produit, il y ait un blocage parce qu'il ne serait produit qu'en France. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bourin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. La France a fait face durant de nombreuses semaines à un désert pharmaceutique concernant certains produits. En effet, jusque la fin de l'année 2022, près de 3000 références manquaient. Ce manque s'attaque aux médicaments de base pour nos compatriotes, à ceux pour les enfants, aux traitements pour les personnes atteintes de cancer. J'en passe, la liste est vaste. Le paracétamol ou encore l'amoxicilline, qui représentent habituellement près de 500 millions de doses vendues annuellement dans notre pays, sont devenus des produits rares et recherchés par tous les Français. La France n'est pourtant pas un pays en voie de développement. Pourquoi les Français paieraient votre inactivité dans ce domaine? Face à cette pénurie, il y a un mois, Monsieur le Ministre, vous nous avez annoncé un retour à une situation normale dans les deux semaines. Sur ce point, des interrogations se posent auprès de nos compatriotes. Vous parliez d'un million de doses qui devaient arriver courant février pour restocker nos pharmacies. D'où proviennent ces stocks? Y a-t-il une corrélation entre ces livraisons et une augmentation des prix de certains génériques depuis le 3 février dernier? Nous pouvons comprendre que ces approvisionnements puissent être étrangers en situation de crise. Mais ce sont-ils des solutions durables ou des solutions ponctuelles que vous proposez? Vous nous disiez plus jamais ça. Mais ne serait-ce pas des solutions qui rendraient la France plus dépendante de pays européens et plus généralement de pays étrangers? Ma question est donc la suivante, Monsieur le Ministre. Ne serait-il pas possible de miser davantage sur des solutions nationales? Notre nation n'est-elle pas capable de mettre en place une véritable souveraineté pharmaceutique? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bourin. Alors, j'ai répondu, je pense déjà, sur la problématique de la souveraineté dans la production de médicaments et de principes actifs. Sur deux éléments, j'en profite pour reprendre deux éléments et répondre à deux de vos interrogations. L'augmentation des produits génériques potentiels, je l'ai dit tout à l'heure, elle est possible dès lors qu'il y a de la transparence sur les chaînes de production et qu'on identifie bien que le prix de vente est inférieur au prix de production. Concernant l'amoxicilline, puisque c'est deux fois qu'on me pose la question, je vais essayer d'être le plus précis possible. Depuis début février, plus de 1,6 million de boîtes ont été livrées chez les grossistes répartiteurs sur l'ensemble des références. Des livraisons sont en cours encore de la part de notre partenaire, qui est le laboratoire GSK, cette semaine. Ainsi, le plan d'approvisionnement se déroule comme prévu, avec une mise à disposition des formes pédiatriques 250 et 500 et gélules de 500 mg en priorité, le dosage de 1 g disposant déjà d'une couverture de plus de 3 à 4 mois. Le 20 février, Biogarant a mis également à disposition de l'amoxicilline 500 importée d'Allemagne. En termes d'approvisionnement, Biogarant a également des livraisons prévues en mars sur ces deux références qui sont les plus demandées. En ce qui concerne l'amoxicilline 500 mg en gélules, 591 132 boîtes, vous voyez, c'est précis, et l'amoxicilline 500 mg injectable, 260 386 boîtes. Concernant les prix de ces génériques, les discussions, je vous l'ai dit, sont en cours entre les laboratoires et le comité économique des produits
de santé. Il convient, et je le répète, en priorité, définir la liste des médicaments critiques sur lesquels nous devons agir en priorité. Et tout cela se mettra en place progressivement avant la fin, du deuxième semestre, donc de l'année 2023. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Coquerel du groupe La France Insoumise. Merci, Monsieur le Ministre. Bonjour. Bon, je crois que tout le monde est assez convaincu du problème de pénurie des médicaments. Quand on a des pénuries de médicaments comme ça, avec certains chiffres, j'allais dire qu'on s'en aperçoit quand ça vous touche soi-même. Moi, il y a quelques temps, j'ai dû faire je ne sais pas combien de pharmacies franciliennes pour trouver un médicament pour l'asthme qui m'est indispensable tous les jours. Et à partir de là, je me suis intéressé évidemment sur le fait que pour certains, c'était des antibiotiques pour enfants, le paracétamol, etc., etc. Et ce qui s'inscrit dans les chiffres, puisqu'il y a 3500 ruptures de stock alors qu'il y en avait 89 en 2010. Bon, tout ça, ça a été suffisamment décrit, a un lien évidemment avec la question de la souveraineté en matière pharmaceutique. 80% de la production des principes actifs sont délocalisés en Asie depuis 30 ans. Mais je sais aussi, par exemple, une chose qui m'étonne, c'est qu'à certains moments, des laboratoires qui fabriquent des médicaments en France préfèrent les exporter à l'extérieur parce que les prix de vente des médicaments à l'extérieur sont plus chers. Bon. Et de ce point de vue-là, les réponses que jusqu'à maintenant vous nous avez données, je dois le dire, ne me satisfont pas, me font plutôt penser à des rustines, faute de pouvoir aborder la question du système lui-même qui pose problème. Notamment la réponse que vous venez de redonner, que vous aviez donnée lors d'une conférence de presse, qui est l'idée de si les laboratoires exportent pour aller vendre plus cher leurs produits, eh bien finalement, laissons le prix de ces produits augmenter en France. Ce qui est un peu bizarre quand en même temps vous nous parlez de la soutenabilité financière du système, de laisser les prix augmenter, ce qui n'est pas terrible pour la sécurité sociale, surtout qu'en plus, on ne sait pas très bien où va la marge, ou plutôt on le sait, elle va malheureusement sur la rente capitaliste des laboratoires. Et là, la question que je vous pose, elle est là. Est-ce que quelque part, la soutenabilité financière de notre système peut aujourd'hui encore supporter le fait que ces laboratoires ne travaillent pas seulement pour l'intérêt général, mais pour la rente de leurs actionnaires, avec en plus de ça des aides publiques de l'État, CICE, Crédit Impôt Recherche, et puis l'aide publique principale qui est la sécurité sociale, qui leur offre finalement une demande sécurisée qui est quand même bizarre pour une industrie qui fonctionne sur le marché, puisque ça leur permet évidemment d'avoir, j'allais dire, une demande captive. Bon. Donc d'où mes questions. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut rompre pour de bon avec ce système, et notamment aller vers un pôle public du médicament qui permettrait de sortir de ces travers. Merci. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Coquerel, déjà quelques éléments sur l'exportation de médicaments qui sont fabriqués en France. C'est une des mesures que nous avons prises cet hiver devant la pénurie, c'est justement d'interdire ces exportations à partir des grossistes, ce qui nous permettait de garder justement ce qui était déjà sur le sol national. Alors, laisser les prix augmenter, je me suis probablement mal exprimé sur les génériques, hein, c'est-à-dire que sur certains génériques, depuis ce moratoire que nous avons mis en place, si les industriels, toujours ce problème de transparence, nous montrent bien que le prix de fabrication est supérieur au prix de vente actuel, nous équilibrons ce prix pour garder justement ces produits matures. En ce qui concerne changer un peu le mode de financement, les différentes contraintes, vous avez raison, c'est tout l'enjeu de la mission qui a été lancée par la Première ministre et nous attendons tous ses conclusions. En ce qui concerne la notion de pôle public du médicament, et j'ai lu avec attention les propositions de loi sur ce sujet, bien entendu, on ne sait pas franchement ce que c'est vraiment in fine, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons déjà des structures qui sont un peu identiques. C'est la pharmacie centrale des hôpitaux des armées, c'est la pharmacie de la PHP, qui ont une réactivité particulièrement intéressante. On a pu le voir en particulier pendant la crise, la refabrication d'un curare très utilisé en réanimation pour les patients qui étaient atteints du Covid et que la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris a pu reproduire très rapidement. En tout état de cause, ce ne peut pas être la seule solution à tout. Il y a besoin, je le disais tout à l'heure, d'une pluralité des réponses. Cette pluralité des réponses, cette pluralité des fournisseurs est un des éléments qui nous garantira, in fine, la sécurité pour les différents produits. Des travaux, bien sûr, sont en cours. Je suis à votre disposition pour affiner cette notion de pôle public du médicament et voir comment, par rapport à ce que nous avons déjà sur notre pays, nous pouvons améliorer les choses. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Alexis Corbière du groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je serai direct, vous représentez un gouvernement qui est en responsabilité depuis 6 ans.
Et nous parlons du fait qu'il y a aujourd'hui 277 médicaments qui font l'objet de difficultés d'approvisionnement. L'amoxicilline, je n'y reviens pas, présente dans 80% des antibiotiques pédiatriques ou encore le paracétamol. Mais franchement, nul ne peut être surpris. Vous évoquez la transparence, j'avoue ne pas comprendre. Déjà en 2019, il y a 3 ans, le lobby français du secteur pharmaceutique observait que depuis 2008, il y a 15 ans, la situation des ruptures de stock et tensions d'approvisionnement, se creusait de façon préoccupante. En 2020, il y a 3 ans, 2446 ruptures de stock ont été signalées, contre seulement 89 en 2010, d'après la NCSM. Plusieurs raisons ont amené ces pénuries, cela a été évoqué, les délocalisations, la Chine et l'Inde. Je répète, mais l'argument est fort tout de même, 80% de la matière première pharmaceutique mondiale. Et dans une tribune parue en 2022, l'Observatoire de la transparence dans les politiques et médicaments estimait qu'une production au moins en partie publique, vous interrogez sur le pôle public du médicament, permettait déjà de répondre aux pénuries structurelles. Nous vous avons demandé la création de ce pôle public précédemment et cela nous a été refusé. Alors, le 19 novembre dernier, vous avez affirmé que la pénurie de paracétamol sera réglée dans les semaines qui viennent. C'était il y a 3 mois, ce n'est pas le cas. Celle de l'amoxicilline dans les mois qui viennent. Le 3 février dernier, vous avez promis au micro d'Europe 1 une sortie de crise dans les 15 jours. 3 semaines plus tard, nous n'y sommes pas. De quelques annonces, je retiendrai votre plan blanc qui permet de réduire rapidement la consommation d'un produit donné afin de permettre aux patients qui en ont vraiment besoin d'y avoir accès. Sous-entendu, plutôt que de faire face à un problème de production, vous allez mettre en œuvre le fait qu'éventuellement, on rationne. Merci. Plutôt que de régler le problème, vous rationnez. Alors, allons à l'essentiel. Vous avez prêté le serment d'Hippocrate qui dit que je ne tromperai jamais la confiance des patients. Ne croyez-vous pas que votre gouvernement a trompé la confiance des Français? Que comptez-vous faire? Et qu'attendez-vous pour mettre en place ce pôle public du médicament et au moins d'observer et de suivre les recommandations de l'Observatoire de la transparence des politiques du médicament? Merci. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Corbière. Je vous remercie d'avoir relevé que les pénuries sont depuis 2008. 2008, ce n'était pas le gouvernement précédent, ni même celui d'avant. Donc c'est un problème qui existe depuis très longtemps et qui, dans votre bouche, je l'entends bien, n'est pas la faute du gouvernement précédent d'Emmanuel Macron, ni forcément du gouvernement actuel. Alors, concernant le paracétamol et l'amoxicilline, je réaffirme très clairement que nous avons rétabli nos stocks. Voilà, et comme je l'ai annoncé, ils ont été rétablis dans les délais. Concernant cette pénurie de cet hiver, je tiens aussi à rappeler que la pénurie ne concernait pas tout le principe actif, mais concernait certaines formes du produit. C'est quand même important aussi, parce que le principe actif arrivé, c'était la transformation de ce principe actif qui n'était pas disponible. Vous parlez de rationner l'accès, c'est certainement pas ce que je veux dire. Quand je dis qu'il faut que les gens en aient réellement besoin, je l'ai évoqué tout à l'heure, notre pays est un très fort prescripteurs, consommateurs d'antibiotiques, également de paracétamol, là où d'autres pays préfèrent de l'ibuprofène, voire même de l'aspirine. Et en ce qui concerne les antibiotiques, cela pose d'ailleurs un enjeu majeur, notre surconsommation d'antibiotiques, aussi bien pour les animaux d'ailleurs que pour l'homme, avec tous les problèmes liés à l'antibiorésistance. Donc oui, et les sociétés savantes médicales le disent toutes, il faut mieux prescrire les antibiotiques. J'allais dire qu'un antibiotique, ce n'est pas automatique, mais vous connaissez par cœur cette Maxime. Mieux prescrire les antibiotiques, ça va nous permettre aussi de lutter contre les pénuries. En ce qui concerne ce pôle public du médicament, et comme je l'ai dit à M. Coquerel, je suis à votre disposition pour en discuter et voir comment nous pouvons améliorer les choses, tout en rappelant que aussi bien la PHP que le service central des armées disposent déjà d'une structure identique. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Boucard du groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Amoxicilline, paracétamol, insuline, traitement anticancéreux ou antiparkinsonien, et j'en passe. La pénurie de médicaments à laquelle fait face notre pays va-t-elle durer encore longtemps, Monsieur le Ministre? C'est la question que se posent malheureusement de nombreux Français qui ont besoin de ces médicaments pour se soigner. Et pour cause, car notre pays rencontre depuis plusieurs années des problèmes d'approvisionnement sur un certain nombre de médicaments et de molécules. Ceux destinés aux enfants sont d'ailleurs particulièrement concernés par ces pénuries. Comme l'a très bien signalé notre collègue Alexandra Martin, entre 2017 et 2022, le nombre de
signalement de médicaments en rupture de stock a été multiplié par 5, passant d'un peu moins de 600 en 2017 à plus de 3000 en 2022. Ces chiffres doivent tous nous inquiéter, car ils mettent en exergue le danger auquel est confronté notre système de santé. Et si nous ne faisons rien, cela va conduire à des pertes de chances inacceptables pour les patients dont les traitements sont indisponibles. Les raisons pour expliquer ces pénuries sont malheureusement nombreuses. La première d'entre elles me semble être la volonté des entreprises pharmaceutiques de délocaliser leur production en Asie pour économiser sur leurs coûts de fabrication. Il y a évidemment un désintérêt de leur part pour les traitements dont elles n'auront plus l'exclusivité, et pour cela, pour à nouveau des raisons financières, encore une fois. Les laboratoires pharmaceutiques ne sont pour autant pas les seuls responsables de cette situation. L'État y est également pour quelque chose avec une politique qui ne les incite pas à continuer de produire dans notre pays, en France. Il y a bien évidemment d'autres facteurs conjoncturels qui nous ont amenés dans cette situation, et je ne les oublie pas. La triple épidémie de Covid-19, de grippe, de bronchiolite, mais aussi les problèmes d'approvisionnement liés à la guerre en Ukraine et à l'augmentation de la demande. En pareille situation, le gouvernement devrait prévoir un plan de gestion des pénuries de médicaments. Malheureusement, depuis le Covid, vous n'avez rien fait. Il est pourtant essentiel que notre pays anticipe mieux les besoins en médicaments et qu'il sécurise leur approvisionnement. Nous avons heureusement des pharmaciens, des médecins généralistes dotés d'un grand professionnalisme et qui sont parfois obligés d'être créatifs pour trouver des solutions pour les patients, et je souhaite les en remercier. Ces pénuries de médicaments pouvant entraîner des conséquences extrêmement importantes pour nos concitoyens, je vous demande, Monsieur le Ministre, les mesures que vous comptez prendre pour que notre pays, la 7e puissance économique mondiale, permette à nouveau à chacun de ses concitoyens d'avoir accès au traitement dont il a besoin, au-delà d'enjeux financiers qui ne sauraient être un obstacle aux soins. Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Boucard. Bon, bien sûr, vous comprenez que je ne peux pas vous laisser dire que vous n'avez rien fait depuis quasiment 21h30. Nous n'avons pas cessé, et je n'ai pas cessé de vous expliquer tout ce qui était mis en place et tout ce qui allait continuer à se mettre progressivement en place. Alors, je ne vais pas revenir sur le fond, parce que ça va être un peu répétitif, même si le fait de répéter permet de mieux faire venir les choses. Je voudrais profiter de votre intervention pour revenir sur un point, étant belfortin comme moi. Vous savez forcément mon attachement aux pharmaciens et aux médecins libéraux. Et je tiens, comme vous, à profiter de cette occasion pour remercier nos 21 000 pharmaciens, pour remercier nos plus de 50 000 médecins généralistes libéraux pour le travail qu'ils ont fait pendant ces phases de pénurie, en tout cas de diminution de nos stocks, que ce soit pour mettre en place des alternatives thérapeutiques, que ce soit aussi pour faire la course aux médicaments. C'est bien ça que je ne veux plus voir se reproduire dans les années à venir. Et c'est dans cet objectif que toutes les mesures que je vous ai exposées tout à l'heure se mettent en place progressivement pour éviter en tout cas l'hiver prochain que nous revivions la même situation. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Daubier du groupe démocrate. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je me félicite ce soir que nous puissions débattre sur la pénurie des médicaments que nous connaissons actuellement. Je ne vous ferai pas la longue liste des personnes qui, dans ma circonscription, m'ont alerté, que ce soit du Val-de-Saône, de la Dombes, de la Côtière ou la Plaine de l'Ain, sur des manques de médicaments, en dépit, et je le souligne, du fantastique travail que peuvent faire les médecins généralistes, nos infirmières, nos pharmaciens et du personnel de nos pharmacies. Cette situation est d'autant plus incompréhensible que dans ma circonscription, proche de Lyon, et donc proche de grands laboratoires, de grands noms, Sanofi, Boiron, Biomérieux, Merck, pour ne citer que, nous comprenons encore moins bien ce système. Ceci m'appelle quatre séries de questions. La première, Monsieur le Ministre, je souhaiterais savoir quelle va être la position, comment le gouvernement souhaite influencer la nouvelle autorité européenne, l'ERA, et vers quelle direction par rapport à ce phénomène. Ma deuxième question, c'est de savoir dans quelle mesure nous ne pourrions pas utiliser le critère du respect de l'environnement pour sortir notre dépendance aux productions des médicaments chinois ou indien. Ma troisième question est de savoir quel bilan nous pouvons tirer des chaînes d'approvisionnement liées à la crise de la Covid-19 et ce qui a été fait depuis. Et enfin, je souhaiterais savoir comment le gouvernement compte concilier maîtrise des dépenses publiques et augmentation des demandes par rapport au coût de production de ces médicaments. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je vous remercie, Monsieur le Ministre.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Monsieur le député Doublé. Alors pour vos trois questions, très rapidement, influencer ERA, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est la position de la France, que ce soit sur l'uniformisation des définitions, qui seront beaucoup plus simples pour nous comparer au niveau européen, sur les contrôles, qui doivent être là aussi uniformes, sur la politique de stock et tout ce que l'on peut faire dans le cadre de la crise sanitaire. Comme je l'ai dit, nous attendons dans les semaines qui viennent les conclusions de ce texte au niveau de la Commission européenne et j'espère et je continue à me battre pour que les principes français y soient inscrits très clairement. Le respect de l'environnement, cela fait partie des critères que nous avons demandé aux hôpitaux pour la commande de médicaments. Après, nous heurtons là aussi aux règles générales du marché, hein, qui ne nous permet pas de mettre des critères particuliers pour favoriser de façon très directe des produits qui seraient fabriqués en France. Mais vous avez raison, le respect et les règles environnementales sont une piste extrêmement prometteuse pour favoriser ces produits. Je reviens sur ce que disait aussi le député Vigier tout à l'heure. Ces usines de production, n'oublions pas que ce sont quand même des sites Céveso, avec là aussi des risques et qu'il nous faut particulièrement bien encadrer la sécurisation de cet établissement. Le bilan des chaînes d'approvisionnement, c'est ce que nous faisons actuellement sur la liste des produits matures, des produits indispensables que nous sommes en train de faire. C'est complexe. Depuis la production du principe actif jusqu'au pharmacien, il y a de nombreux blocages et ce ne sont pas les mêmes d'un médicament à l'autre, ce qui forcément complique encore l'analyse de la situation. Mais c'est ça, faire l'évaluation des risques médicament par médicament. Voilà, je pense avoir répondu un peu à toutes vos questions. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Ménard. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, en 10 ans, les signalements de rupture de médicaments ont été multipliés par 10 en France. De 300 références manquantes en 2013, on en compte désormais 3000 en 2022. Si certains de ces médicaments sont bien connus, comme le paracétamol ou l'amoxicilline dont on a parlé beaucoup ce soir, c'est toute une série de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur dont l'Agence nationale de sécurité du médicament tient la liste à jour, qui manque à l'appel. Comme pour de trop nombreux autres produits, la France paye ses mauvaises stratégies en la matière. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir prévenu le gouvernement. Déjà, en 2018, une mission d'information menée par le Sénat alertait sur la perte d'indépendance sanitaire française. Si certains ont douté, la pandémie de Covid-19 a malheureusement été un triste révélateur de nos dépendances. C'est aujourd'hui 80% des médicaments que nous importons, contre 20% il y a 20 ans. Le président de la République a annoncé en 2020, à grand renfort de communication sur le mode du « nous sommes en guerre », vouloir relocaliser la production de paracétamol. Cette bonne nouvelle doit pourtant être prise pour ce qu'elle est, un trompe-l'œil. Ne soyons pas dupes, cette relocalisation prendra du temps, sans parler de nos structures de coûts trop importantes, de nos contraintes en matière environnementale et de notre virage raté dans la biotechnologie et la génomie. Ne nous voilons pas la face, ce sont les prix bas imposés par le gouvernement qui, s'ils se justifient évidemment en matière de santé pour les patients, provoquent ces ruptures. Faut-il le rappeler, les industriels ne sont pas des associations humanitaires et la loi du plus offrant s'applique malheureusement aussi dans le monde de la santé. Alors ma question est simple, allez-vous mettre en place un plan pluriannuel qui renoue avec une ambition dans le domaine de la recherche afin que nous puissions produire de manière souveraine ces fameux médicaments d'intérêt thérapeutique majeur? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Ménard, oui, mais je cherchais... vous parliez des médicaments avec un effet thérapeutique majeur, en tout cas. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, pour ces médicaments, nous avons 2 mois de stock, voire 4 mois de stock de façon réglementaire, avec des médicaments, là, un peu plus de 400 médicaments qui sont particulièrement essentiels. Donc, nous avons déjà quand même une façon de répondre de façon positive. La production de paracétamol, je pense que vous faites illusion au projet Sequence en Isère. Donc effectivement, cela ne se fait pas en un an, de reconstruire une usine en France et de remettre en place et remettre en production des lignes. Pourtant, ce projet est bien avancé et on peut espérer que l'année prochaine, la France produira assez de paracétamol pour que nous soyons totalement autonomes et que nous ayons pu à faire appel. On a beaucoup parlé de l'Inde, on a beaucoup parlé de la Chine. Pour le paracétamol, on a aussi les États-Unis. Et ne pas oublier quand même que les États-Unis, par
L'Inflation Reduction Act nous pose aussi un certain nombre de problèmes pour l'importation des principes actifs. Concernant les prix, je le disais tout à l'heure, la mission lancée par la Première ministre avec des personnes qualifiées, avec l'inspection des finances et l'inspection des affaires sociales, va nous permettre de mettre un petit peu à plat notre politique de paiement du médicament et de voir ce qui est le plus efficace. Mais comme je vous l'expliquais aussi tout à l'heure, la nécessité de transparence est essentielle quand on voit les remarques de cet article dans le British Medical Journal qui montre que malgré des prix très élevés, l'investissement et la recherche sont extrêmement bas dans les plus grands groupes industriels. Donc il y a là aussi une action à mener, une action à mener également, et vous l'évoquiez, dans le cadre de la recherche, avec une volonté que je partage avec la ministre Sylvie Retailleau de réformer la recherche médicale dans notre pays, en particulier la recherche sur les médicaments. Je ne reviendrai pas dans ce qui a été fait aussi, la mise en place de l'Agence de l'innovation en santé, munie de 7,5 milliards d'euros, qui justement est là pour faire ce lien entre la recherche fondamentale et la production et aider à relocaliser en France. Comme vous le voyez, nous agissons sur l'ensemble du spectre du médicament pour que justement, dans les années qui viennent, nous n'ayons plus ces inquiétudes, en tout cas le moins possible, sur les risques de diminution de nos stocks. Je vous remercie. Je vous remercie. Le débat est clos. Prochaine séance demain à 9h avec la proposition de loi visant à mieux lutter contre la récidive. La proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. Une proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité. Et enfin, une proposition de loi visant à soutenir les petites entreprises et les collectivités territoriales en cas de crise énergétique. La séance est levée. Merci. Merci, madame.